Salut YouTube, bienvenue dans le tribunal d'Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. J'espère que tu vas bien mon cher YouTube. Nouvelle découverte. Bah oui, on refuse pas une clé offerte par Capcom quand même. Merci Capcom pour la clé. Ah oui, Ace Attorney, Apollo Justice, en tout cas plutôt dans l'autre sens, Apollo Justice Ace Attorney, qui est sorti le 25 janvier 2024, très récent pour nous puisque nous sommes le 31, c'est pas, y a pas si longtemps que ça. La guitare, incroyable. Il s'agit du dernier opus de la très connue série de Ace Attorney que je n'ai jamais faite, figurez-vous, c'est tellement connu que je n'ai jamais joué à un de ces jeux. J'ai déjà vu des let's play évidemment, tous aussi légendaires les uns que les autres avec qui vous savez. un vieux bien connu évidemment. Très drôle. Du coup, j'aime faire des voix. Je me suis dit, ça peut pas mal se passer. Ça peut être drôle. Évidemment que ça va mal se passer. Mais ça peut être drôle quand même. Alors, on va voir. Je ne sais pas comment ça marche. C'est la première fois que je joue à un Ace Attorney. Je ne sais pas comment on fait une nouvelle partie. C'est parti. Ok. Oh, il est stylé. Hein. Objection. C'est bon, je suis chaud. Je me suis échauffé juste avant. C'est bon. Nouvelle partie. J'espère que tu vas bien YouTube en tout cas, une fois les coutumes, n'hésite pas à laisser un petit message dans les commentaires. Si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux venir nous faire un petit bisou aussi sur Twitch, c'est tout à fait possible. Abonne-toi à la cloche, tout ça, tout ça. Magnifique. Quel mystérieux mystère. Les joueurs de cartes. L'heure de vérité. Non. Perdu. Je crois que je suis dans le pétrin. On peut dire ça comme ça. Oui. Et qui parle? Je ne sais pas. Mort, frappé, sans ménagement. Moi? Tu veux rire? La police sera là d'une minute à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois, on devait en arriver là. Mais qui parle? On ne sait pas qui parle, on dirait qu'il y a deux voix. Ah. 20 avril. 1937, tribunal, salle des accusés numéro 03. 2-8-7-3-8-9. Ok. Attendez, il faut que je me rapproche de ma Go XLR. Je crois qu'il va y avoir un setup spécifique pour Ace Attorney. Ça va être terrible. Attendez, je reviens. Dossier de l'affaire, historique, option. Ah bah, c'est avec le clavier? Freemain? Ou alors avec la manette, c'est mieux ou pas? Oh, attendez, on va voir. Option G. Alors, ah non, d'accord, ok, non, on s'en bat les couilles. T historique. Mort frappé, tout ça. Ok, Z. Retour, ok. Ça, je peux descendre, monter, descendre, formidable. Échappe. Dossier de l'affaire. Un badge d'avocat. On peut dire que je l'ai voulu, celui-là. Rien que pour le porter, me donne des forces. Rien que le porter me donne des forces. Formidable. QEE. Comment ça? QEE. Changer d'onglet. Pourquoi QEE? Attendez, ça c'est pour changer. C'est quand même pas très pratique. Ah ok. Ah mais il y a une souris quand même. Ah mais je peux sélectionner ça. Ok. Donc là j'ai un dossier. Je peux ouvrir ou comment ça se passe? Je peux double-cliquer. Nom de la victime, Enzo Gomez. Âge inconnu. Sexe masculin. Heure estimée du décès, le 17 avril, entre 1h45 et 2h15. Notez bien, hein, prenez des notes. Prenez des notes, c'est important. À cause du décès, hémorragie cérébrale suite à un coup porté au front. Faites attention, hein, quand vous faites un équilécon, ça peut mal tourner.
Ah oui, en effet. Décédé. Il a perdu. Okay. Magnifique. Ah, on peut le... Ah, il y a un numéro là. Il y a un numéro gravé au dos du badge. Il y en a plein des comme ça, mais celui-là, c'est le mien. La preuve que je suis avocat. Pour être franc, j'ai le sourire rien qu'à le regarder. C'est nous, ça, Apollo. Ok, très bien. Formidable. Et du coup, après, Christopher Gavin, âge 32 ans, patron du cabinet juridique Gavin, avocat de premier ordre, je lui dois tout. Donc si je peux... Ok. Mon premier client, ce type-là m'impressionne, rien que de le regarder. Ah bon? Ah, Enzo Gomez, la victime, le voyage. Ok, très bien. Jeu automatique. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais j'appuie. Non, c'est pas ça. Ok. Ah! Moi, Matt. Estouvanoué. Pas de doute, je suis mort de trouille. C'est dans sa tête. Merci, Kane. Kane, il note tout que ça, il est chaud. Ok. Ah! Bonjour! Bonjour, monsieur! Ah, vous avez l'air bien nerveux, justice. Nerveux, moi? Pas du tout. Monsieur, tout va bien. Ce bruit strident, c'est votre voix? C'était à prévoir, je suppose. Votre premier procès, et c'est un homicide. Mais après tout, quand on s'appelle justice... tout va bien. Tout va bien. Je me suis levé à 5h du mat pour chauffer mes cordes vocales. Tout va bien. Oh, il est chaud. Ah, tout s'explique. Il me semble effectivement entendre comme un petit grincement dans votre voix. J'ai encore dû y aller trop fort. Ah, vous me faites rire, justice. Vous n'êtes pas sans savoir que votre client est l'un de mes amis proches. Je ne veux en aucun cas le décevoir. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas de pression, hein, papy, pas de pression. Tout à fait, monsieur. Je vois exactement ce que vous voulez dire. En plus... En plus, il se trouve que nous dînons ensemble ce soir du crime. Hein? Le soir du crime? Ah, nous dînions ensemble le soir du crime. Oui, Jean, tu me donnes un alibi direct, toi. Toi, t'es chelou. Voilà une affaire que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Objection prêt. Bravo. Moi aussi, je suis chaud, hein. C'est bon. Oui, absolument. Tout va bien, monsieur. Encore une chose. Arrêtez de répéter constamment que tout va bien. Vous pourriez finir par donner une mauvaise impression. D'accord. Je vais préparer le dossier. Vous devriez peut-être vous présenter au client. Ah. Incroyable. Je m'appelle Apollo Justice. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, je débute dans le métier d'avocat. Et aujourd'hui, c'est mon premier procès. Pas que je sois inquiet, hein, quoi que ce soit. Hein. Non, je suis super chaud. Le prévenu a été accusé de murder. Meurtre. Mon patron veut tirer de là. Veut le tirer de là, et moi aussi. C'est vrai, il ne peut pas avoir commis ce crime. Pas lui, même si je ne le connais pas du tout. Mais c'est un copain à mon patron, alors ça peut mal se passer. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Premier procès, nerveux. Rencontre avec lui, crise cardiaque. Salut Akiro, comment ça va? Attention, hein. Attention, hein. Ça y va là. Ça y va là. Je suis censé dire un truc là. Au secours. Vous êtes en... Tout va bien. Ah merde. Ah d'accord. Ah monsieur, tout va bien. Hein? Il me semblait bien que vous aviez un nom bizarre. Mais non, mais c'est parce que tu... Mais non. On peut dire que ça commence fort. Vous êtes sûr de vouloir que ce soit moi qui vous défende? Monsieur Gavin est un super avocat. Et en plus, c'est votre ami. Hein. Et en plus, c'est votre ami. Alors pourquoi... Ah non, d'accord, ok. C'était Tony qui parlait, pardon. Vous allez tout comprendre. Hein? Vous en êtes capable. Ne vous faites pas de soucis. Hein. C'est vraiment moche ce qui vous arrive. Enfin, je veux dire... C'est l'heure, on y va? Tout de suite, monsieur. Ok, on est vraiment débutant. On sent que c'est notre première affaire, là. Ça déconne zéro. Ok.
Concentration maximale. Il est temps que Justice s'impose. T'as compris le coup? Parce que je m'appelle... D'accord, ok. Avril, 10h, tribunal, salle d'audience numéro 2. J'essaie des trucs, mais je suis pas convaincu là. Oh, c'est le juge! La séance est ouverte. L'accusation est prête, votre honneur. La défense va bien, enfin, je veux dire, elle est prête, votre honneur. Oh là là, trop de mémoire! Surtout pas de panique, c'est trop tard. Ah, vous êtes monsieur justice? C'est votre premier procès? Ah oui, votre honneur, mais ça va, vous savez, tout va bien, hein. Oui, tout va bien, todo va bene. On va essayer de faire des alternatives en italien. C'est pas de l'italien, je sais plus. Ah, vous êtes sûr? Vous avez la voix un peu enrouée. Non, mais... Ouais, bon, monsieur Gavin. Oui, votre honneur. J'avais cru comprendre que vous vous chargiez de cette affaire. J'en avais bien l'intention, votre honneur. Cependant, un avocat doit se plier au desiderata de son client. Et mon client exigeait Monsieur Justice. Avec un nom pareil, sa popularité n'a rien de surprenant. Mais tout de même, confier cette affaire à un novice, est-ce bien raisonnable? Je n'exagère rien en affirmant qu'aucun avocat de la défense ne vous arrive à la chouille. Incroyable. Gavin est peut-être las, mais il n'a pas mes cordes vocales. Et tout va bien. Ah. Eh bien, allons-y, faites entrer l'accusé. Incroyable. Soir. Voilà des événements pour les moins malheureux. J'aurais préféré vous revoir dans les meilleures circonstances. Au sauf c'est longtemps, Mr. Wright. Oublions le passé, si vous le voulez. Je ne suis plus guère... Quoi? Ah, c'est Phoenix Wright! Ah, mais c'est Phoenix Wright, le premier... Je l'avais pas reconnu, en fait. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, c'est le personnage principal de... C'est le premier Objection, quoi. Enfin, peut-être pas le premier, remarque, mais c'est le... Je ne suis plus guère que Phoenix Wright, pianiste de bar. En fait, il est pas du tout... Wright? Comment avez-vous en arrivé là? C'est fou! Soit, je n'aborderai plus le passé. L'accusation aura-t-elle l'obligeance de citer le chef d'accusation, Monsieur Boulay? Ok. Quand je pense que je vous ai connu jeune avocat fringant et que vous voilà enchaîné. Victor Boulay, vous n'avez rien perdu de votre stupidité. Alors, c'est pas sa voix, Phoenix Wright, en vrai, mais bon, c'est pas grave. On va peut-être pas faire une voix de Kekos, en vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, c'est pas sa vraie voix. Lui, c'est parfait, lui. Lui, il a une voix de teuteux, là. Le meurtre a été commis au Borch Club, un restaurant russe. L'accusé, Phoenix Wright, s'est emparé de la victime, client, et il l'a frappé, boum, sur la tête, paf, mort sur le coup. Ah oui, la victime était un client du restaurant, dites-vous. L'accusé s'est trouvé en qualité de... oui. Il semblerait qu'il soit le pianiste du club. Ah bon? Incroyable. Merci Katou. Merci beaucoup CMK pour ton soutien pour ce 9e mois du plaisir. Incroyable. Bonsoir. J'ai encore le bug, JPP. Pourquoi? Parce que tu t'es abonné pour la 9e fois ce mois-ci, c'est ça? Merci beaucoup pour ton soutien. En tout cas, j'espère que tu vas bien. 9 mois, le bébé. Mais j'arrête pas d'avoir des bébés là en ce moment. C'est un peu gênant. Hein. Il y en a qu'un seul. Hein. Je suis désolé. L'officiel, c'est pas celui-là, Katou. Hein. Excuse-moi, mais... Chaque mois, je m'abonne 3 fois. Bon, bah écoute, merci. Hein. C'est pas obligé d'en faire autant, mais merci. Il semblerait qu'il soit le pianiste du club. Phoenix Wright. Phoenix Wright, planiste? Voici l'arme dont s'est servi l'accusé. Une bouteille de jus de raisin. Il paraît que le jus de raisin est la boisson favorite de l'accusé. Ah bon? Bah donc... Donc voilà, moi j'aime bien le martini. Du coup, s'il y a quelqu'un qui se fait tuer avec une bouteille de martini... accusation directe. La cour accepte la bouteille fatale comme piège à conviction. Ah! Bouteille de jus de raisin, l'arme du crime. Porte les empreintes de l'accusé. Bouteille fatale ajoutée au dossier de l'affaire. Prenez note, justice. Toutes les pièces à conviction sont rangées dans le dossier de l'affaire.
N'hésitez pas à le consulter régulièrement. Le dossier de l'affaire. Ah, le dossier de l'affaire. Oui, évidemment, ça me revient maintenant. Appuyez sur le bouton E pour voir la liste des pièces. Ok. On peut double-cliquer pour voir la... Tu peux voir ? Aucun indice ici. Il y a des empreintes quelque part ? Dis, il y a des empreintes, mais... Du jus de raisin, dis donc. Ça fait un bail que je n'ai pas bu de jus de raisin. Il paraît qu'il y a Mr. Wright. On raffole. Je me demande si ça se marie bien avec le borsch. Ok. Le bouchon, on s'en bat les couilles. Ah, ah, comment ça ? La bouteille est complètement vide. Super. Ok, d'accord. Ah, c'est un jeu d'enquête un petit peu, hein. Attention. Hein. Mini-jeu. Ok. Je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. Oui, tout va bien. Le bouton E, pas de problème. Voyons voir ça. Alors, la victime était un client de ce restaurant. Mais qui était donc ce... Enzo Gonzalez Un voyageur, votre honneur. Un voyageur? J'ai vous, ça. Elle est pas cassée, hein? Ah, ah bon, vous pensez quand même que si on frappe un homme avec une bouteille de jus de raisin, la bouteille est censée se casser? Ou est-ce juste dans les films américains? La bouteille ne s'est même pas cassée, comme dans les films. Vous êtes tous les deux sur la même remarque. Un voyageur? Oh, sinon, croise au passeport, il avait quitté le pays pendant plusieurs années. Il n'est revenu ici que récemment, mais on ignore son lieu de résidence exact. Et connaissait-il l'accusé d'une façon ou d'une autre? C'est également un élément qui devra être éclairci, votre honneur. Il semblerait qu'ils aient fait connaissance au Borsch Club, le soir du crime. S'il venait de faire connaissance, pourquoi le tuer? Ses yeux qu'il avait. La victime n'aurait-elle pas apprécié les talents musicaux du pianiste? Il ne semblerait pas que cela soit le cas. Non, le manque de talent de l'accusé et le motif du meurtre n'ont aucun rapport. Cette photo vous permettra de mieux comprendre. Magnifique. Comme nous pouvons le constater, on jouait au poker. Sur les lieux du crime. Oh, pas si vite. Le poker n'est-il pas un jeu d'argent? Qui, en tant que tel, constitue un délit par entière? Ah. Absolument. Il semblerait que l'accusé soit devenu un petit criminel minable parce qu'il joue au poker. Objection! Objection! Je suis avocat, je vous le dis. J'étais sûr. J'ai senti que c'était le moment. J'ai pas appuyé sur objection, hein. Y a pas de bouton objection. Je l'ai trigger, c'est tout. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire un truc. Pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus objection. Que vous avec des gens. L'objection du Cerda, quoi. Coucou Cerdo, comment ça va? Oui, l'accusé joue au poker avec la victime, c'est exact. Mais il ne faisait que cela, jouer. Il s'agissait tout simplement d'un défi. Un défi? Oui, un test d'intelligence, un affrontement silencieux de passion tourbillonnante. Dont seules les cartes au dos baignées de flammes bleues connaissent le dénouement. J'ai rien compris. Je vous demande pardon. Le dos des cartes sur la table était bleu, votre honneur. Il semblerait que la défense flirte avec la poésie pour tenter de nous mystifier. Et d'impressionner ces dames. Nous pouvons commencer par cela. Nous nous efforcerons d'obtenir des précisions sur cette partie des cartes fatales. Ah. Papa! Ah, lui aussi, il est papa, regardez. Un hommage, mais là, l'hommage est poignant. L'hommage à ma situation de daddy en devenir est poignant. Objection. Non. Monsieur l'accusé, je vous prie de témoigner sur le défi de poker organisé le soir du crime. Avec plaisir. Je vais lui faire une voix normale, hein. Et voilà, mon premier procès, c'est parti. Ah. Déposition du témoin, c'est parti. Alors, je sais pas s'il faut faire un truc. Oh, c'est un petit peu le tuto, j'imagine. Témoignage. Le défi. Je ne suis pas pianiste. Que de nom. En fait, je sais à peine jouer. Mon vrai boulot consiste à affronter les clients qui le souhaitent au poker. Ah bon? La salle de jeu et les défis qui s'y déroulent sont les attractions du club. Les règles sont simples.
en jeu au poker avec deux jeux de cartes. C'est tout. Ce n'est qu'un jeu. Nos clients sont contents, bien sûr. Ah bon? Ça, c'est le témoignage. Ah oui, d'accord. Un pianiste qui ne sait pas jouer, ouais, mais c'est... C'est moins grave qu'un avocat qui ne sait pas plaider. Chez. Passons. Que la défense entame son contre-interrogatoire. Ça va bien, mon cerdou. Ça va bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. Bien, votre honneur. Mon premier contre-interrogatoire, je n'ai pas intérêt à me planter. Ça va, vous transpirez à grosses gouttes. À grosses gouttes? À quoi vos grosses comment? C'est une façon de parler, justice. Et votre voix semble enrouée et tremblante. J'ai l'impression que ce ne sont mes neurones qui tremblent, monsieur. Vous avez vu mener beaucoup de contre-interrogatoires. Mais vous n'avez jamais fait vous-même, n'est-ce pas? Alors, un petit cours rapide? Dois-je demander à monsieur Gavin un cours rapide sur les contre-interrogatoires? Un petit rappel, s'il vous plaît, oui. Mais vaut prévenir que guérir, surtout quand l'enjeu est aussi important. Un récapitulatif ne serait pas de refus. J'ai la mémoire en gruyère. Ah, justice. Concentrez-vous bien sur deux choses. Le dossier et le témoignage. Prenez des notes, hein, écrivez, prenez des notes. Essayez de répéter les les incohérences entre le témoignage et les pièces du dossier. Hein. Et quand vous trouverez une incohérence, vous présentez la pièce à conviction qui contredit le témoignage avec E. Ah. Comment je fais pour présenter? Mais pour l'instant, je n'ai rien remarqué de bizarre dans le témoignage. Alors cela signifie que vous faut attaquer le témoin avec Q. Bon. Mais quoi? Mais c'est en QWERTY ou pas là? J'arrive pas trop à savoir. Non, c'est pas en QWERTY. L'attaquer, lui? Ignorer son immense personnalité. Il faut obtenir plus d'informations. Et Q, mais bravo, ok, merci. Franchement. C'est ça. Mais je croyais que Mr. White était mon client. Alors, vous pensez pouvoir y arriver? Oui, merci monsieur. Je crois que je vais y arriver. Tout va bien. Il vaudrait mieux, sinon nous allons avoir un problème. Et souvenez-vous, trouvez une incohérence, un mensonge dans le témoignage, et présentez-la à la cour. C'est ça, un contre-interrogatoire. Apprenez, maîtrisez, agissez. Incohérence, mensonge? Phoenix Wright? Impossible! Putain, mais je connais le jeu, quoi. Phoenix Wright ne mentirait jamais, et je compte bien le prouver. On a du fort, je peux entendre méchant contre-interrogatoire. Ah. Alors comment ça marche? Contre-interrogatoire, c'est parti. Je ne suis pianiste que de nom. En fait, je sais à peine jouer. D'accord. Alors. Deux jeux de cartes. Ah bon, psy, avocat, ma Micole. Salaud. Hein? Pourquoi? Arrêtez. T'as vu, Cerdou, je me suis habillé en avocat et tout. Oui. Avec mon petit nœud de pape et tout, là. Je suis un avocat un peu vieillot, mais c'est pas grave. Alors, je peux faire une objection, mais là, j'ai rien. Je peux ouvrir le menu. Alors, on ouvre le... Attendez. Nom de la victime, Enzo Gomez. Cause du décès, hémorragie cérébrale suite à un coup porté au front, ok. Oh merde, le nœud, excellent. Ah ouais, attention, hein, t'as vu ça? Oh, c'est pas un vrai, hein. C'est avec le t-shirt, mais... C'est le t-shirt spécial, spécial Doctor Who. Ok, le nœud de pape, c'est... Bon, voyons voir, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Mon vrai boulot consiste à affronter les clients qui le souhaitent au poker. Ok. La salle de jeu et les défis qui s'y déroulent sont des attractions du club. Ouais. Les règles sont simples. On joue au poker avec deux jeux de cartes. Il n'y a qu'un seul jeu de cartes là, non? Q. Mais quoi, Q quoi? Ils auraient pas pu mettre une autre lettre parce que là vous avez spamé Q, vous allez pas savoir pourquoi. Je suis sûr que... E. D'accord. Q-E-R-T-Y. Ok, les règles sont simples, on joue au poker avec deux jeux de cartes. Objection! Et après? C'est tout, ce n'est qu'un jeu et nos clients sont contents.
C'est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions. Vous ne pensez pas? Quoi? Mais j'ai rien fait. Le blague, c'est votre premier contre-attaque. Prenez votre temps. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à attaquer le témoin. Eh bien, c'est compris. Je ferai de réécouter ce témoignage. Attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait... Ah, mais il faut que j'attaque au moment où... Je suis pianiste que de nom. En fait, je sais à peine jouer. Mais on n'a rien dans le... On n'a rien dans le dossier qui nous dit que... Aucun indice ici. Là, on a trouvé ça. Mais ça, on s'en fout un peu en vrai. Après. Heure estimée. Mais du coup, si on fait. Ah, alors attendez, on va voir. Attaquer. Non, ah. Un instant! Comment ça, vous savez à peine jouer? Bon. Il m'arrive de jouer comme ça quand un client me le demande. Je lui joue une chanson, en général ça suffit. Il se vante ou au contraire? Le titre de pianiste est une façade, un masque respectable que je porte pour le public. Oh mais alors, que faites-vous réellement au Borch Club? Il l'a dit. Mon vrai boulot consiste à affronter des clients qui le souhaitent au poker. Alors du coup, on objection. Un instant! Il vous paie uniquement pour jouer au poker? Apparemment oui. Après tout, je suis un pro. Il semblerait que vous en soyez fier en plus. Vous savez, pour un honnête citoyen comme moi, il est difficile d'imaginer... Rien d'étonnant à cela. Vous n'avez jamais eu beaucoup d'imagination, Victor. Ok. Ski QWERTY. Attends, on sait pas encore. On va pas trop vite. Par contre, on en parle du pas de vis. Je sais pas si ça va jusque là. Le pas de vis quoi, du truc là. Non mais c'est ça, en fait c'est juste pour dire qu'on est avocat. C'est notre petit badge d'avocat ça. Alors il était jaune alors c'est bien. C'est presque ça. Quoi? J'ai joué au poker pendant 7 ans dans cette petite salle. Sans jamais essuyer une seule défaite mon petit gars. Quoi? Vous comprenez maintenant pourquoi les clients y reviennent. Détrôner l'indétrônable champion de poker. Ça attire pas mal de gens. C'est ça, j'attire pas mal de gens. Un instant, vous dites n'avoir jamais perdu, pas même une toute petite partie. Je vous l'ai dit, je suis un pro. En 7 ans qu'il joue au poker, il n'aurait pas perdu une seule fois. Impossible! Pardon. C'est impossible ça, non? La salle de jeu et les défis qui s'y déroulent sont les attractions du club. Ok. Du coup, attendez. Si on fait... Non, du coup, faut un instant, faut le faire parler. La pièce sur la photo du lieu du crime, c'est une des attractions? Cette salle n'a rien de banal. Autrefois, le Borch Club était le rendez-vous des truands. Ah, intéressant ça. Des truands? J'ai bien dit autrefois. Les truands, ça n'existe plus. Ça n'existe plus qu'au cinéma. Bref, pas mal d'affaires se sont traitées sous la table. À cet endroit précis, dans cette salle. Ah bon? Mais peut-être qu'il y a... Il y a une salle secrète, un truc, un machin. Regardez là, c'est pas tout à fait pareil. Il y a peut-être un double mur, un double fond. N'importe quoi. Une salle enfumée? Les truands par ailleurs? Rien que de regarder cette photo, ça me met mal à l'aise. Les caïds se mettaient à table et négociaient leurs méfaits, en toute impunité. Pendant qu'un homme de main épiait par la petite fenêtre. Là-bas? Je vois ça comme si j'y étais. Cette fenêtre est certes trop petite pour servir à autre chose qu'à faire le guet. La salle recelait notre secret, qui n'en était pas un pour les vrais habitués. Les vrais habitués. Bref, ils venaient jouer au poker dans une salle mythique. Attendez! Oh! Objection là, et pourquoi? C'est quoi le secret? Malgré ce passé douteux, tout était parfaitement légitime. Les règles sont simples. On joue au poker avec deux jeux de cartes. On attaque. Un instant! Deux jeux de cartes? Un moyen simple d'éviter la triche. En alternant les deux jeux, vous empêchez un tricheur d'y insérer des cartes. Ah, pas con! Ah oui, j'ai remarqué autre chose.
En plus des cartes posées sur la table, il y en a plusieurs par terre. En effet. Exactement. Les cartes éparpillées sur la table, d'autres sur le sol, oui. Formant deux jeux complets de cartes. Et un meurtre exprimant la tristesse par le bleu des cartes répandues. C'est un poète, lui, hein. C'est très poétique, en fait. En réalité, nous utilisons deux types de cartes au club. Ah! Un des jeux de cartes était rouge, l'autre bleu. Ah bon? Habile. Oh oui! Si je me souviens bien, au poker, on joue avec des mains de 5 cartes. Effectivement, on pourrait tricher assez facilement. C'est ça. C'est un jeu de mains. Un jeu de vilain. Ah! À ce défi dont vous nous parlez. Je pense que la cour en sait suffisamment sur la nature du jeu. Bien raisonné! Attends, on n'a pas fini. Après tout, ce n'était qu'une simple partie de cartes. Non. En êtes-vous sûr? Hein? On tue pas quelqu'un pour une simple partie de cartes, monsieur Justice. Accusé, vous étiez dans la salle au moment du meurtre. Et pourtant, vous affirmez n'en être rien impliqué dans le crime? Voilà qui est bizarre. Que voulez-vous lui dire? Mon témoignage porté sur le défi du soir, le soir du meurtre. Je n'ai jamais dit que j'étais dans la salle au moment du meurtre. Attendez, regardez. Vous n'avez pas encore le droit de m'interroger sur le crime, votre honneur. Oh, waouh! C'est un ancien avocat de renom. Naturellement, je m'attendais à entendre la défense crier « Objection !» Hey, que quoi? J'ai encore raté le coche. Ne paniquez pas, justice. Monsieur? Right. J'aimerais éclaircir quelque chose. J'aimerais entendre votre version des faits et j'aimerais l'entendre de votre bouche. Je n'y vois aucun inconvénient. Oh, très bien. L'accusé va revoir son témoignage. Il suffisait de l'attaquer un peu pour obtenir un témoignage entièrement nouveau. Ah. D'accord, ok. On attaque un peu. Je plaide le silence pour ce meurtre. Je n'ai jamais touché à l'arme du crime. Ah, intéressant ça. Comment ces empreintes ont été dessus du coup? Attendez. Un instant. Le silence. L'accusé a le droit de refuser de témoigner. Je n'ai pas tout oublié de mon ancienne carrière. Mais pourquoi? Ça joue clairement en votre défaveur. Votre travail ne consiste-t-il pas à en faire un atout? C'est super! Comme si j'avais pas assez de boulot comme ça! Justice, durant le témoignage, vous n'avez rien remarqué de bizarre? Merde, qu'est-ce qu'on a raté? Hein? Instant, c'est vrai qu'il a dit quelque chose d'un peu bizarre. C'était quoi déjà? Quand cela vous reviendra, je vous suggère de présenter une pièce à conviction. Mais c'est les empreintes. Et de préférence, une pièce à conviction en contradiction avec le témoignage. Une contradiction dans le témoignage de Mr. Wright? Mais pourquoi? Je ferais mieux de consulter le dossier de l'affaire. Porte les empreintes de l'accusé. Attends, faut que j'appuie, non? Oui. J'imagine mal Mr. Wright faire un faux témoignage. Peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions, vous ne pensez pas? Attends, mais il faut que je fasse quoi là? C'est maintenant? Objection? N'oubliez pas que c'est votre premier contre-interrogatoire. Prenez votre temps. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à attaquer le témoin. Eh bien, c'est compris. Je ferai mieux de réécouter ce témoignage. En fait, je sais à peine jouer. Quoi? Mais attendez, j'ai loupé le coche, c'est ça? Mais ça, c'est pas le bon truc, ça. Merde, je sais pas, c'est pas si dans le bon sens. Attends. Mon vrai boulot consiste à affronter des clients qui le souhaitent au poker. Jusque-là, c'est bon. La salle de jeu, les défis qui s'y déroulent sont les attractions du club. Mais à quel moment il dit les empreintes et tout ça? Les règles sont simples. On joue poker avec... C'est tout, ce n'est qu'un jeu de cartes et nos clients sont... Hein? C'est là, non? Je plaide le silence pour ce meurtre. Je n'ai jamais touché une arme de crime. Présenté. Non. Comment je fais pour présenter? Ah non, R. R présenté. Objection!
vous affirmez ne pas avoir touché à l'arbre du crib ? La bouteille du jus de raisin ? C'est bien ça ? C'est ce que j'ai dit. Secours ! C'est la dernière slide, oui, j'étais pas sûr, je voulais pas passer trop vite. Oh, problème, je justiche. Dommage que notre jeune avocat ne sache pas chahuter un peu. Salut à Thème, rend son verdict. Il est jugé coupable d'influencer ses viewers et est condamné à continuer à faire des lives de qualité. Non. Oh, merde, je me suis trompé. Objection. Salut à Thème, comment ça va? Et la semaine prochaine, un petit loot river. Hein. Ah, promis. Pas sûr, mais c'est promis. Dommage, ça n'a pas chahuté un peu. La coupe du mec, ah ouais non, terrible. Hein. Lui, Monsieur Boulet, il s'appelle Boulet. Je vous demande pardon, Monsieur Boulet. Figurez-vous que j'ai examiné attentivement la bouteille en question. Et elle était couverte des empreintes de l'accusé. Qu'est-ce qui se passe? Objection! Inutile de crier, monsieur justice. Nous ne sommes pas sourds. Oh bordel, il a niqué mon appareil auditif. Oh, putain, il est tout neuf, il est super sensible. Ça va pas ou quoi? Désolé, papy. Allez, comme ça, ne va pas vous arranger. Ne va pas la surdité du juste. Putain, mais j'ai écrit le jeu. C'est pas possible. On a écrit les blagues ensemble, Capcom ou quoi, là? Et merci Capcom pour la clé, hein. Super. La coupe du mec, ouais. Pas le mercredi alors, hein. Je pourrais plus les suivre. Hein. D'accord, mais non, ça sera un matin. Je sais pas encore quand, mais ça sera un matin. C'était bien la peine de me lever à l'aube pour faire des vocalises. Ok. Bon alors. Des empreintes sur une bouteille dans un restaurant, ça n'a rien d'étrange. Il est vrai que, à elle seule, les empreintes ne prouvent pas sa culpabilité. Ah, objection! Effectivement, les empreintes ne prouvent rien si elles étaient normales. Hein? Comment ça, normal? Mais les empreintes sur l'âme du crime étaient à l'envers. Ah. Oh, c'est intéressant quand même. Du coup, il la tenait forcément comme ça. Ça, c'est bien fait. À l'envers? Que voulez-vous dire par là? Cela prouve qu'il tenait la bouteille à l'envers. Et s'il la tenait ainsi? Paf, c'est pour frapper. C'était pour frapper quelqu'un avec cette bouteille. Waouh. J'ai mis mon plus bel habit d'avocat, c'est pour ça que je peux répondre. Oh bah quand même, bah, c'est incroyable. Ah, monsieur Gavin, je crois que Lichon vient de prendre une très mauvaise tournure. Ah bon? Je ne vois pas quel est le problème, Justice. Il est serein. Ou faire des cocktails. Ah, faire un cocktail. Objection. Hein? La seule chose qui compte, c'est la vérité. Putain, t'as raison en plus. Il peut. Purée, c'est ça exactement. Ok, il ne spoil pas. Malgré toi. Non, mais vous pouvez donner des hypothèses en vrai. Si vous avez pas fait le jeu, évidemment, et que vous avez des hypothèses, allez-y. Hein, y a pas de problème. Je rigole. Hein. C'est pas du spoil. On manquerait plus que ça. Il y a toujours une bonne raison à tout, vous verrez. Accusé! Ah merde! Accusé, pouvez-vous expliquer après que je vous emprunte sur la bouteille? Ah mais si, c'est peut-être ça, hein. Ça se voit, le blond, il sait comment gérer l'affaire. Bah oui, lui, il l'a déjà résolu. Je continue à plaider le silence vis-à-vis du meurtre. Pour l'instant. Bah, vous n'êtes pas du genre coopératif, vous, hein. Aussi cache-couille que quand vous étiez avocat, hein. Cela pourrait bien laisser vivre votre cause, mon petit. Ce manque de coopération cache quelque chose. Il y a sûrement une raison. Objection, votre honneur. Je crois que vous oubliez quelque chose. Eh, vous allez me dire quoi, monsieur Gavin? Le soir du crime. Jouer. Qui a signalé le meurtre à la police? Il a dû rattraper la bouteille qui est tombée. Peut-être, c'est possible. Mais pourquoi il le dit pas? Je pense qu'il est en train de nous... il nous fait un petit tuto, là. Malgré tout, là. Objection. Le soir du crime, qui a signalé le meurtre à la police? Signalé? Ah mais là, c'est l'accusé, monsieur Wright. Mais je ne vois pas... Vraiment? Si on s'en réfère au dossier, la police a reçu l'appel du portable de l'accusé, non loin des lieux du crime. Non loin, dites-vous? Jetons un coup d'œil au schéma du lieu du crime. Ah. Oh, ça c'est un beau schéma, ça.
Le meurtre a eu lieu dans une petite pièce au deuxième sous-sol. Ah bien sûr, les portables ne fonctionnent pas au sous-sol. L'accusé est remonté au rez-de-chaussée par un escalier dans le couloir, dans ce couloir. D'accord. Le dossier de l'affaire, l'appel a été effectué depuis le rez-de-chaussée du restaurant. Oh je vois, il appelle promener ce téléphone. Ah, nouvelle pièce à conviction. Ok. Portable utilisé par l'accusé pour appeler la police. J'aimerais le voir. Ah non, j'ai pas pu le voir. L'accusé aurait pu faire le choix de s'éclipser des lieux du crime. Amuse-toi bien, Serda. Pourtant, il remplit son devoir de citoyen signale les faits aux autorités. Oh là là, la faute quoi. Objection. Mais c'est pas de ma faute, ça pop là. Je te vois sur Steam. Je te vois. I can see. Pourquoi j'ai les pièces à conviction que maintenant? Objection! Calme-toi, Kate, calme-toi. Christophe, il sait beaucoup trop de trucs. Mais non, mais on dirait qu'il nous fait une petite affaire bien, déjà en fait résolue en réalité. Donc ils peuvent pas se tromper. On peut pas perdre l'affaire, mais on apprend. C'est le tuto. Ah! Bien rattrapé, Mr. Gavin. Je ferais bien de sauter sur l'occasion. Je pense que l'accusation a assez joué avec notre client pour l'instant. Ça se trouve, c'est le tueur. Oh, mais ça se trouve, c'est lui. Non, mais Wright, ça peut pas être le tueur. C'est le héros des précédents épisodes de Phoenix Wright. C'est Phoenix Wright, c'est lui. Ace Attorney. J'ai joué, mais je vous assure que je prends les choses très... Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Vous avez dit que l'accusé était dans la salle au moment du meurtre. Comment le savez-vous? Ah c'est la question que je me posais aussi. J'ai une très bonne question, chat. Ah oui. Notre avocat de la défense avait dit « on jouait au poker » quand il a présenté la scène. Non, tout à fait, on jouait au poker. Après, il peut avoir dit « on faisait ce genre de truc », mais sans pour autant dire que ça soit un « on » qu'il intègre lui. Admettons. C'est ce que j'ai entendu aussi, en effet, mais je l'ai pris pour un... Voilà, il surveille son poulet, exactement. Je l'ai pris pour une généralisation. Dans cette salle, en général, on a tendance à faire ça. Tu vois, par exemple, c'est comme on dit « on fait ci, on fait ça », mais genre le tout un chacun. Dans une salle de bain, on se lave. Tu vois? Est-ce que ça veut dire qu'on se lave tous ensemble? Non. Je sais pas pourquoi je parle de salle de bain, moi. C'était un exemple au pif. Je vais vous le dire, vous ne pouvez le savoir que si vous avez un témoin oculaire. Votre réputation est grandement justifiée. Mais alors, quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce le soir du meurtre? Ah, peut-être par la petite fenêtre. Personne n'a donc forcément été témoin du crime? Jusqu'à présent, nous n'en étions qu'à l'échauffement, Justice. Vous êtes prêts? Allô, j'y voilà. Que l'accusation appelle son premier témoin à la barre. C'est trop bien, ouais, j'adore. Oh là là! Mais c'est une serveuse, c'est ça qu'il sait nous dire. Oui, je suis tout le temps avec une assiette. Elle est froide, elle est chaude, je ne sais plus. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions. Attendez une petite minute. Oui, le témoin. D'après moi, ce sont les cordes démoniaques de la défense qui l'ont effrayé. Quoi, j'ai mis un peu de gel dans mes cheveux, c'est tout. Oh, ne craignez rien. Toute corde orientée vers vous sera sanctionnée par la cour. Il n'y a rien de phallique dans cette métaphore. Je n'en étais même pas une, petite. Ah, venez sur mes genoux et prenez un Verters. Tout va bien se passer. Oh, je le jure, je suis mon marteau. Oh, mais non, mais papy, arrête de parler. Montrez-vous, je vous en prie. Je croyais que la violence anticapillaire était un crime, votre odeur. Oh, si vous êtes sûr que je ne crains rien... Je ne craindrai rien, pardon. Ah eh bien, maintenant, l'accusation... Oh, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? L'accusation aurait-elle la bonté d'expliquer la... Oui. Ah, c'est une pro. Ce sont que des instruments de travail. Mais encore? Je m'appelle Olga Orly. Je suis serveuse à un restaurant. Un restaurant? Olatrade. Olatrade, c'est dur, là. Le Borsch Club. Oui, le restaurant de Borsch Club. Do you know?
Dans ce cas, que faites-vous avec cet appareil photo? Eh bien, je suis très fier de servir fameux Borsch qui fait réputation. Ah mais non, d'accord, ok, attendez, non, c'est pas la bonne voix. Vous n'avez pas compris que Olga, c'était Olga. Attends, je rembobine. C'est Olga. Attendez, comment on peut faire une petite voix mais moins stridente quand même? Bon, mais... Allô. Non, voilà. Attendez, faut qu'on parte dans les aigus quand même un petit peu. Bien, je suis très fier par ce fameux Borsch qui fait réputation de restaurant. C'est mieux ça. Mais je fais autre, comment vous dites? Je fais autre travail aussi. Prendre des photographies de clients par exemple? Oui, comme par exemple celle-ci. Ah! Je suis l'accusé! Absolument! Le soir du meurtre! Homme à chapeau blanc, être capote! Effectivement, je suis bien la victime! Ah! Il écrit en russe! Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce que t'as écrit, Serdin? T'as écrit Dengs? Capote! Ah, silence! Fermez-la! Votre façon de présenter cette pièce à conviction est pour le moins surprenante. Moi présenter aussi bol de Borsch à client de façon surprenante. Oui. Ouais, en ce cas, la cour accepte en passant. D'accord. Photo d'Olga ajoutée au dossier de l'affaire. Ok, il y a des bouteilles là. Envoie des bouteilles ici. On peut le... Non, on peut pas l'observer. Un dossier de l'affaire. Alors, témoin. Alors, attendez, je regarde. Je vais observer de plus près cette photo. Donc là, il était en train de parler, tac tac. Est-ce qu'ils sont dans la pièce? Ah, regardez là derrière, il y a des poupées russes. Bon, ok. Est-ce que ça veut dire que... Ça, c'est une des bouteilles là de... Ah, mais en même temps, s'il en attrape une là, il est obligé de l'attraper par le haut de la bouteille. Regardez. C'est pas la même pièce, je dis ça, je dis rien. Certainement, puisque là il s'agit de la pièce du piano, du piano. Mais il s'agit du piano, donc le piano n'est pas dans cette pièce. On va voir. Mais en effet, vous avez tout à fait raison, regardez. Il n'y a pas le plan. Il y avait un magnifique plan là. Olga, qu'est-ce qu'ils ont dit ce fait ? Témoin de l'affaire, serveuse russe du Borsch. Avocat de l'accusation de l'expérience, il en a un, mais il manque de prestance. Oui, ça c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc rien à voir avec cette pièce en effet, je pense. Pourquoi il y a de la neige à l'intérieur hein? Pourquoi il y a de la neige en intérieur? C'est le flou? Alors, c'est de la fumée, je pense que c'est de la fumade. Ah non mais t'as raison, c'est bizarre. Quelle est cette fumée? Objection! Ok. Alors t'es bouet, où vivez-vous au bois du crib? J'étais dans pièce, on appelle la cachette. La cachette, dites-vous? Une pièce où célèbre gangster Bad Gay a été arrêté, oh oui. Pièce au crime a été commis, oh là là. Votre visage surprise, vous trop mignon. J'attendrai pré-porte tribunal plus tard pour vous. Miam miam. Photo au numéro. Et vous écrivez celle vous voulez copie. Trois personnes étaient donc dans cette pièce au moment du crime. La victime, Enzo Gomez, Mr. Wright et... Olga Hawley, notre témoin. Ah. Bad Guy, ah oui ça se prononce, mais t'as raison, Bad Gay. Oups. Alors si Mr. Wright n'est pas l'assassin, ça signifie que... Oula. Oh bon, témoin, ça suffit maintenant. Je vous prie de témoigner sur les événements du soir en question. Elle a l'air insupple. Elle a l'air insupple, la russe. Déposition de témoin. Bien vu. Le soir fatidique. C'est trop bien. J'adore. Je trouve ça trop cool. Ce soir-là, client a demandé « Je distribue cartes pour poker. » Il faisait froid. Les deux joueurs avaient chapeau sur tête. Non. La victime, il joue toujours avec main sur amulette autour du cou.
Et quand dernière donne est finie, quelque chose affreux s'est passé. Ah! L'homme là jette sur victime. Étrangle la mort! Quoi? Étrangle la mort? Ah non, hein? Bah, dis n'importe quoi, Christine, là. Ah, oh, mais oui, mais lui, il capte rien. Mais au fait, qui a gagné la partie? J'adore le juge parce que dans ces jeux, il est toujours à la ramasse totale, quoi. La meuf, elle dit un truc énorme. Et bon, il est là. Ah ouais, au fait, quel température a-t-il fait ce jour-là? On s'en fout. Il n'est pas mort étranglé, JPP. Ben oui. Bon, c'est le tuto, hein. Mais bon, ça. On c'est pas, c'est pas une simulation d'avocisme. Hein. C'est évident, le gagnant est la victime, monsieur Gomez. Ah bah, c'est évident, pourquoi c'est évident? Pas du tout. Ah, c'est pour ça, lui, il croit que, comme Wright n'a jamais perdu, du coup, il est comme Gomez aurait gagné, dans l'absolu, et Wright l'aurait tué. Objection. C'est carrément ridicule, parce que monsieur Wright ne perd jamais. Justice, oui. C'est pas du tout une argumentation acceptable, ça. Vous pouvez savoir, toutes les cartes n'étaient pas retournées. On pouvait pas savoir, toutes les cartes n'étaient pas retournées. C'est vrai. Il y en a trois qui sont pas retournées. J'ai remarqué aussi. Bah, on peut vérifier avec les mains sur la photo. Pourquoi? Zéo devait faire une objection, choisissez-la avec soin, d'accord? Mais il est resté vécu pendant 7 ans. Croyez-moi, fiston, ça arrive à tout le monde. Je n'avais pas perdu un seul procès pendant les 7 premières années de ma carrière. Au fait, je voudrais vous présenter quelques pièces à conviction. Ah. Ah, si elles sont retournées, regardez. Voici, et comment les jetons de poker étaient disposés sur la table au moment du meurtre? Mais ça veut rien dire. Oui, donc là, techniquement, oui, il a gagné, lui. Là, c'est... oui. Je suis pas un spécialiste du poker, mais c'est lui qui a gagné. Full aux as. Les cartes et jetons de l'accusé, Monsieur Wright, sont de ce côté. C'est-à-dire? De l'autre côté, ce sont ceux de la victime, Monsieur Gomez. Les jetons? Je veux dire, le poker... Oui, le poker, c'est un peu comme une guerre. Votre donne, c'est votre armée. Et les jetons, c'est votre butin. Oh, je sais, quand j'étais jeune, on m'appelait... Oh là là, j'ai peur. Le bluffeur de la salle d'audience numéro 3. Et moi qui croyais que les juges disaient toujours la vérité. En regardant cette photo, je constate que les jetons sont surtout du côté de la victime. Ok. Donc là, on a une carte, un tas de cartes bleues. Ok. Après, il faudrait retourner ces cartes, là. C'est pas les mêmes. Bon, c'est pas les mêmes. Peut-être s'il y avait eu deux As, les mêmes, ça aurait pu être intriguant. Au minima. Côté de jeton ajouté. Enfin, que la défense projette le contre-terrain du témoin. Parfait. Regarde votre photo. Attends, on va regarder après, ouais. Le soir fatidique. Ce soir-là, client a demandé, je distribue cartes pour poker. On va l'attaquer direct. On peut attaquer autant qu'on veut ou pas? Parce que tout à l'heure, ça s'est arrêté, on n'a pas attaqué sur tous les fronts, si? Je sais plus. Alors attendez, on va regarder... on peut présenter un truc? Space, c'est détail. Comment ça, détail? Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Là, on peut rien faire de plus, ok. En tout cas, Donc là, c'est pas les mêmes cartes, en tout cas. Ok, la bouteille est là. C'est un As, ça, qui est derrière, là? Non, c'est pas un As. C'est un 2. Compare avec l'autre photo.
Moi, ça a l'air d'être assez similaire, hein. Il y a deux jeux, donc 8 as. Mais il y a pas... Non, il n'y a pas deux jeux en même temps. En fait, ils utilisent deux jeux l'un après l'autre, non? C'est pas ça? Ou ils mélangent deux jeux, tu crois? Non, mais non, c'est pas possible, sinon ça fausse tout. Ça fausse tout. Non, il n'y a qu'un seul jeu. Mais... Par contre, pourquoi c'est un noir et blanc, là? C'est chiant, ça. Je distribue cartes pour poker. Ah mais attends mais je peux pas non plus faire attaquer pour tout hein, pour éviter la triche ouais. 8 as. C'est pour voir s'ils étaient mélangés peut-être ou je sais pas. Bref. Attends, il faut savoir parce que on a combien d'objets. Ça c'est quoi là-haut? J'ai pas compris ce que c'était cette jauge. Si je fais trop quand je fais une attaque, j'utilise un truc, c'est ça? Ce soir-là, Clia elle a demandé je distribue carte au poker. Tu veux un pal pour attaquer? Non, c'est bon. L'autre, il jouait à pas le voir d'ici plus faire. Avec un lance-roquette. Oui, un bushi. Un quoi? Un bou... Ouais. Alors, j'attaque. Un instant. Alors comme ça, c'est vous qui distribuez les cartes. Vous faites ça souvent? Bah, je fais. Si client désire, je distribue tout. Borsch, carte, encore Borsch. C'est mon travail! Ouais, enfin l'endroit où on n'a pas encore oublié le sens du mot service. Bienvenue à Borsch Club, où Borsch est aussi délicieux que serveuse. Vous serez gentil de ne pas faire votre promotion pendant notre contre-interrogatoire. Il faisait froid, les deux joueurs avaient chapeau sur tête. Bah. C'est vrai. Si elle sert Borsch, pourquoi il y a ces empreintes sur la bouteille? Il n'y a pas ces empreintes sur la bouteille. Et Borsch, c'est pas Borsch, ça. C'est une bouteille de jus de raisin. Le Borsch, je crois que c'est un plat. C'est un plat à bouffade. Ah donc là, j'ai utilisé un truc, c'est ça? J'ai utilisé un truc. Il faisait froid, les deux joueurs avaient un chapeau sur la tête. Oui, bah... Il faisait froid, mais genre, il y a de la neige et tout, là. Mais c'est ça? Bah, les serveuses. Ouais. Ah, je sais pas. Je passerai, là. Je crois qu'il y a rien à faire avec ça. Il faisait froid, les deux joueurs avaient chapeau sur la tête. Pourquoi il faisait froid? Alors, peut-être qu'on peut demander pourquoi il faisait froid. Bon, vas-y, on essaye, de toute façon, on verra bien. Un instant. Nous sommes en avril. Comment peut-il faire si froid? Ma Borsch Club, nous connus pour cuisine typique rustique russe. Même si dehors c'est printemps, dedans c'est froid. Comme mère patrie russe. Pas question que je mette les pieds dans ce boui-boui. Rien mieux pour accompagner Borsch chaud que saison froide, hein? Non mais il neige vraiment dedans, quoi. La victime, il joue toujours avec la main sur amulette autour du cou. Victime, hein? Mais là, il a rien, là. Ah oui, il a une amulette, là. Et regardez, là, il a une amulette. Il a une amulette. Et là, il l'a plus. Et si je me rappelle bien, c'est Wright qui l'a autour du cou. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc là, on peut lui présenter celle-là. On peut présenter peut-être cette carte et cette photo. Moi, je dis, on présente cette photo à ce moment-là. Là, on présente. La victime, il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Essaye. Objection! Votre honneur, cette preuve relève de la déposition et contradictoire. Et comment liez-vous la preuve à la déposition qui vient d'être formulée? Il n'y a pas de rapport. C'est ce que vous voulez dire. Quoi? Mottez les mots de la bouche. Monsieur Juste, il réfléchissait avant d'accuser à tort et à travers. Quoi? Mais non, il n'y a pas d'amulette.
pas l'impression... Mais... J'ai pas l'impression d'avoir marqué des points auprès du juge. J'ai toujours avec main sur amulette autour du cou. Attends, mais peut-être que j'aurais dû la faire parler d'abord. Une amulette ? Je crois que c'était pour ce bonheur, hein ? Il tenait main dessus tout le temps quand lui jouait. Ah, mais j'étais sûrement un gros fumeur. Étrange. Un briquet est quand même plus pratique. Une lalle ? Non, mais non, qu'il est con. JPP. La défense voudrait une clarification, il s'agit bien d'une amulette, n'est-ce pas ? D'un pendentif dissimulant une photo ou autre, une sorte d'amulette pour la victime, quoi. Ah, j'avais compris, merci. Ça devait être un pendentif en forme d'allumette, c'est ce qu'elle a voulu dire. Non mais peu importe sa forme, j'ai pas le temps de lire. Ne vous énervez pas, Justice, le juge est un peu dur de la feuille. De la feuille, mot du cerveau, ouais. Ensuite, que s'est-il passé ? Ah. Et quand dernière donne est finie, quelque chose affreux s'est passé. Ah. Un instant. Quelque chose d'affreux ? Ah ! Je prie. Merde, pardon, j'ai failli faire le vieux russe. Après l'éléphant, j'ai eu de crier sans raison. Désolé. Il va falloir que je revoie cette idée d'entraînement vocal. Eh bien, mademoiselle Orly, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Oh, j'étais tellement peur. Je tremblais avec peur. Peur partout dans le corps. Ah, l'homme là jette sur Vikim et... l'étrangle à mort. Alors là... là, c'est du tout cuit, là. On va la cuisiner encore un peu. Un instant. Mais... il fallait pas la cuire. Quoi ? Ah merde. Est-ce qu'il... c'est trop... Fallait pas attaquer, c'est ça ? Il fallait présenter un truc ? Ah, fallait objecter maintenant ? Fallait objecter maintenant, j'ai pas compris. Ah non, c'est trop tard. Faut la faire parler. Attends, on va voir après. Objection, l'accusé ne ferait jamais ça. C'est lourd ça, je n'avais jamais vu la défense déployer une tactique pareille. Ah, s'il vous plaît, si vous pouviez éviter de me faire perdre la face. Oh, quoi qu'il en soit, pourquoi je conjurerais tour de la sorte lors d'une partie de poker ? Peut-être parce que accusé avait perdu partie. Absolument! Une défaite écrasante pour un homme jusque-là vaincu! Voilà. Les gagnants sont souvent des mauvais perdants! C'est bien connu, quelle déchéance! Allez-y! Allez-y! Vous savez ce que vous devez faire. Oui, monsieur! J'en fais mon affaire! Il n'y avait que trois personnes dans la salle au moment du crime. Enzo Gomez, la victime, Mr. Wright et... Et si Mr. Wright n'était pas l'assassin? J'ai besoin de te cuisiner, tu es cuite, Orly! Ah oui, d'accord, là on l'a cuisiné, là maintenant on fait le méga contre-interrogatoire de la muerte. Ok. Attends. Ce soir, la cliente a demandé que je distribue, on s'en fout. Il faisait froid, les deux joueurs avaient chapeau sur la tête. Ah ! La victime joue toujours avec main sur l'amulette autour du cou. Et quand dernière donne est finie, quelque chose affreux s'est passé, da. L'homme la jette sur victime et étrangle la mort. Présenté. Présenté dossier. Cause du décès, un seul coup porté au front. Objection. Objection. Moi je dis c'est Orly. Tu l'aimes pas depuis le début. Ah vraiment, étranglé, vous dites. Voilà qui est étrange. Da, le client normalement s'étouffe avec Borsch. Non, c'est juste que d'après ce rapport, la victime serait morte d'un coup à la tête. Ah! Assez tourné en rang. Madame Orly, aviez-vous, oui ou non, été témoin du crime ? Ah ! Oh, joli. Elle a fait un rattrapage éclair, là.
D'après la photo, il n'a pas été frappé. De quoi ? Il porte encore son chapeau. Mais pourtant, votre honneur, nous avons la preuve qu'il a été frappé. Voici une photo prise durant l'enquête. Sans son chapeau. D'accord, et quelqu'un lui a remis son chapeau. Tu fous ma gueule. Elle avait gants, non pas un prêt, c'est ça. Elle avait gants. C'est pour ça, CMK, tu fais la russe. Ah oui, en effet, c'est plutôt choquant. Cette tête-là a reçu un coup, c'est sûr. Photo du crime 2, ajoutée au dossier de l'affaire. Mais attends, ok. Mais j'ai vu se passer avec mes yeux. Je jure vraiment la vérité. L'accusé, il se jette sur victime, son cou. Oh. Oh, vraiment? Voilà, mademoiselle Orly. Cette fois, je vous prends en flagrant délit de mensonge. Justice. Votre enthousiasme est rafraîchissant, mais peut-être qu'un peu plus de réflexion. Que voulez-vous dire? Je viens de trouver une contradiction. Il y a quelque chose qui ne me dérange dans son témoignage. Voyons donc. Il semble judicieux de vouloir pour juger du contraire de l'interrogatoire, là. Comme quoi, réfléchir de trop n'est pas toujours une bonne chose. On a usé toutes nos pistes. Il faut trouver autre chose. Comme quoi, penser tout n'est pas toujours une bonne chose non plus, hein. Client a demandé, je distribue cartes pour poker. Ah, attends, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Photo du front de la victime, sans son chapeau. Ah oui, mais... Il n'y a pas de trace de doigt sur le cou. C'est vrai qu'il n'y a pas de trace de doigt sur le cou. Et sans amulette. Là, on voit qu'il n'a pas d'amulette. Est-ce que là, je peux peut-être reprendre cette photo-là pour dire « Et l'amulette ?» Parce que là, on voyait aussi, c'est pas très juste. On m'a enlevé un point pour rien. Soit là, client a demandé, je distribue carte. Ça, pourquoi pas, hein. C'est possible. Je pense pas que ça soit là que ça se situe. Il faisait froid. Les deux joueurs avaient chapeau sur tête. Non. On peut pas faire une objection. Je sais pas trop comment ça marche, en fait. Déjà, en tout cas, on a perdu une jauge là-haut, là. Je sais pas trop à quoi ça correspond, en vrai. Ça, ok, on a la preuve. Il faisait froid, c'est ok. Jusque-là, exactement, on a cette photo-là qui nous montre quand même qu'il caillait sa mère. Lorsqu'il est en claquette, quand même, hein. Il est juste en claquette, pépouze, là, avec son bonnet. Là, il a quand même il a son pendentif. Ça se trouve, elle fait la collecte des pendentifs parce qu'elle en a un gros, là. C'est pas le bon. C'est pas ouais, je baille pas. C'est pas le bon. Bon, là, j'imagine que c'est pas dans la photo du front de la victime sans son chapeau. Mais. On est d'accord que. Ouais, on peut pas cliquer, on peut rien faire de spécial. Ok. Bon, je dis c'est pas là. La victime, il joue toujours avec main sur amulette autour du cou. Alors, est-ce que là, on présente la photo? Cette fois-ci, est-ce que ça peut marcher? Mais là, elle a pas son amulette, là. Elle est où? Présenter. Oui, présenter, on présente cette photo. On est d'accord ou pas? Est-ce que je erre? Est-ce que je erre? Est-ce que je montre la photo? Là, on voit bien son cou. Et voilà, quoi. Erre. Oh, je suis pour, ok. Objection! Objection! Monsieur Gavin avait raison. Il y avait bien quelque chose de louche dans son témoignage. Ah, ça a l'air d'être ça. Je me demande ce que ça peut vouloir dire. Monsieur Justice, auriez-vous la vérité de partager vos réflexions avec cette cour? La défense souhaiterait revenir sur la déposition, votre honneur. Selon le témoin, la victime jouait avec un médaillon autour du cou. J'espère que c'est pas la grand-mère du témoin qui vous dérange. Bien sûr que non. Jetez un coup d'œil à cette photo.
Où est-il ? Il apparaît clairement que la victime ne portait aucun médaillon autour du cou. Franchement, on aurait pu l'avoir tout à l'heure, ça. Hein. Ça, c'est pas cool. On est trop fort. Avocat. Parfait. Ah, bien vu, justice. Je suis impressionné. Je savais que vous en sortiriez. Mais qu'est-ce que ça signifie ? J'ai deux mois dit la vérité. Alors, le médaillon chez vous l'a utilisé après le décès de la victime. Impossible. Sauf votre respect, un médaillon ne se volatilise pas comme ça, votre honneur. C'est très simple. Quand on y réfléchit. Si le médaillon a disparu, c'est que quelqu'un l'a dérobé, non ? Mais c'est Wright qui l'a autour du cou, on l'a vu tout à l'heure. Dérobé ? Vous voulez tout de même pas dire que... L'accusé n'essayait pas de d'étrangler la victime. Et il tentait de lui arracher son médaillon. Voilà qui expliquerait tout, non ? Ah ! Bah du coup, elle mentait pas, alors. Quoi ? Ah bien, bien. Accusé, qu'avez-vous à répondre ? Mais oui, là, il l'a autour du cou depuis le début. Tiens ? Oui ? Je viens seulement de m'en apercevoir, mais... Vous avez quelque chose autour du cou, n'est-ce pas ? Oh, ceci, oui, c'est un médaillon. Il y a une photo dedans. Une photo de ma fille. Ah ! Je vais pas savoir ce qu'il faisait. Pardon ? Monsieur Wright, vous avez une fille ? Vous avez vérifié ses dires lors de son arrestation. La photo du médaillon est bien celle de la fille de Mr. Wright. Hein ? Monsieur Wright, portez aussi le médaillon ? Un médaillon ? C'est la mode parmi les joueurs de poker ou quoi ? Si, con. Ouais. Bien. Cette partie de poker s'est soldée par un meurtre. Peut-être devrions-nous porter notre attention sur la fin de la partie. Je ne sais pas s'il serait inutile de poursuivre l'interrogatoire davantage. Il est évident que l'accusé a perdu une défaite cuisante. Ah ouais, Jorly ? Je vous prie de témoigner sur la partie de poker entre la victime et l'accusé. Chaque joueur commençait partie avec 3500 points en jetons. Il y a deux sortes de jetons, petit et gros. Celui qui gagnait ses victimes. Pour dernière donne, accusé joue tous les jetons sur table et perd. Moment partie perdu. Accusé attrape bouteille sur table. Et ben. C'est vrai, sur cette photo, on a vraiment l'impression que la partie tourne en la faveur d'un des joueurs. Mais là, c'est gagné, là. Ça bat ça, hein. Bon. Ouais. Comme la cour le sait, la vie de l'accusé dépendait entièrement du poker. Imaginez les conséquences d'une défaite. Combien de fois ai-je entendu ces paroles ? Ah, j'ai vu rouge, votre honneur, mais si vous saviez à quel point je regrette, c'est presque une banalité, mais c'est pourtant vrai. Quelque chose me dit que le juge regarde trop la télé. Puisque Mr. L se dit invaincu depuis 7 ans, ce témoignage doit être erroné. Mais il croit en Wright à 1000%, lui. Hein. Chaque joueur commence la partie avec 3500 points en jetons. Ouais. Là, on peut pas savoir à quoi correspond quoi. On la cuisine alors ? On va la cuisiner du coup. Attaque. Attends ou attaque ? Attends, non. Quoi ? Attends ou attaque ? Fais attention parce que... si tu mets un TT, je sais pas si c'est pour attaquer ou attendre. Montre photo ! T'es russe toi aussi ou quoi ? Des jetons. Hein ? Et ça vaut plus que... Est-ce que ça vaudrait pas plus ? Je fais RP Olga ! D'accord, ok Zimka. Katu Olga, pareil. Même combat, même pays, même fratrie.
Oui, 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 Serda, tout à fait. Je comptais voir si c'était père et impair. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il y en a 6. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 ici. On sait pas à quoi correspondent les trucs. Je sais plus, je m'en souviens pas, mais les plus gros normalement ils veulent plus. Donc c'est bon. Ok. Donc là, je vais l'attaquer. Un instant. Démarrez toujours avec nombre de points. Avec ce nombre de points, aviez-vous des règles particulières? Non, rien spécial. Jeu normal, règle normale. Si chaque joueur commence avec 3500 points, cela fait un total de 7000 points. 7000 points, tout rond. Il faut remettre le juge. Il y a deux sortes de jetons, petit et gros. Attaque. C'est vrai. Un instant. À quoi correspondent? À combien? Les jetons visibles sur cette photo sont-ils les seuls que vous avez utilisés? Ah, intéressant parce que peut-être qu'il peut y en avoir par terre. Ah, bien sûr. Il y a quelque chose de pas net avec ces jetons. Est-ce que je continue de l'interroger? Insistez encore. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces jetons? Dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Objection! Mais ça suffit! C'est vrai! Les jetons de poker sont des jetons de poker. Du verbe jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons. Vos jetons, il est con. Merci. Maintenant qu'elle est sur la sellette, je ferais mieux de lui poser une question. Combien valent ces jetons? Ah, merci. Comptez-vous leur valeur en euros ou bien en roubles? Niet! Ah bien. Niet! Comme je le dis avant. C'était jeu poker, pas argent. Difficile de comprendre pour l'esprit capitaliste. Il y a jetons 100 points, les autres 1000 points. Hein? 1000 points? Ce n'est pas argent, da! Justice. Monsieur! Vous ne trouvez pas que ce qu'elle vient de dire est troublant? Intéressant, mais oui, c'est intéressant. Il y a trop de jetons. Et si les petits font 10 et que les gros, j'ai dit qu'il y en avait combien? J'ai compté 7 ou 8, un truc comme ça, donc déjà c'est trop. Donc il y a un total de 7000 points répartis avec 10600 points, Kane. Oh, le gros cerveau. À 10 gros là. Moi ça dit gros. Combien? 10 gros, donc les gros 1000. Et les petits? Non, les petits 100, donc si t'en as 10, ça fait 1000 déjà, juste avec les gros. Bah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait dire. Sous bien des aspects, monsieur. Moi-même, je me demanderais que ce soit ajouté à son témoignage. Eh bien, la défense peut-elle que le témoin penche sur son témoignage? Ajouté au témoignage. Oui. Oui, je pense que ça mérite plus ample considération. Ajoutez cela au témoignage. Si seulement je savais ce que je suis en train de faire. Ah, très bien, témoin, je vous prie. Dans votre honneur, il y a jetons 100 points et les autres 1000 points. Il y a deux sortes. Mais alors, est-ce que je l'attaque là? Je suis censé l'attaquer ou je lui fais une objection directe? C'est bad guy là. Là, on lui montre ça direct. On fait une petite objection là ou pas? Direct, on fait une objection. Je sais pas si. En fait, je sais pas si le jeu considère qu'il faut d'abord qu'on attaque. Bon, allez, vas-y, on essaye, faut qu'on apprenne. Objection! Vous êtes certaine que la victime a gagné la partie? Absolument certaine? C'est pas ça la question. Il y a trop de points déjà. Mais c'est complètement con. Mais non, où est-ce qu'il va? Mais
Ça veut dire les gros 100 points et les petits 1000. Ah, tu crois ? Ah ! Il semblerait que notre jeune avocat soit un peu perdu. Il suffit de regarder la photo pour voir qui a gagné. C'est du simplicité enfantine. Par acquis de conscience, pourriez-vous vous expliquer le problème de la cour ? Bien sûr, votre honneur. Sur cette photo, je vois des petits et des gros jetons. Dites-moi lesquels de ces jetons valent 1000 points. Mais les gros, bien évidemment, franchement. C'est bien ce que je pensais. Seulement, vous voyez, les taux ne coïncident pas. Les totos ne coïncident pas. Les totos ? Ah, quand même, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait partir, si vous voyez. En fait, t'as raison, il a perdu. Récapitule les informations fournies par le témoin. Chaque joueur a commencé la partie avec 3500 points de jetons en sa possession. La valeur totale de ces jetons était donc de 7000 points. Ah oui, j'ai vu que les calculs sont bons, 3 plus 1, j'en retiens 5, mais... Vos calculs sont exacts, votre honneur. Seulement, voilà. Regardez sur la photo censée montrer l'ensemble des jetons. Putain, ils mettent des plombes pour expliquer un truc simple. Si les gros jetons valent 1000 points, et les petits, 100 points, c'est qu'on les additionne, et qu'on les additionne, cela fait combien ? Mais t'as qu'à le faire toi-même, oh, putain. Après tout, nous ne sommes pas de la, nous sommes pas la crèche, là, oh. Le chat l'avait déjà fait. Kane, gros cerveau, l'avait déjà fait. 10 600 points. Le nombre de jetons ne coïncide pas avec la somme de départ. Ah. Ce qui contredit clairement les déclarations du témoin. Oh bordel, Kane Masters. Voilà, si petit, dit gros. Son honneur qui compte tel un vieux. C'est bon. Mais quoi est possible ? Bien vu, monsieur Justice. Maintenant que vous savez le comment, il vous faut trouver le pourquoi. En fait, il n'y a qu'une explication possible à cette contradiction. Ah ! Les sommes de départ étaient fausses. Le nombre de jetons était faux. Les deux étaient corrects. Quoi ? Quoi ? Les deux étaient corrects ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça, les deux étaient corrects ? La somme de départ était fausse ? Le nombre de jetons était faux. Comment ça ? Petit égale 1000 et gros égale 100. J'organise des events à 2000 personnes, alors 10600, c'est rien ça. Oh le mec ! Ah ! Les deux étaient corrects ? Et ça veut dire quoi, les deux étaient corrects ? Je comprends pas. Ça fait 7000. 6 fois 1000. Et 10 fois 100. Oui d'accord, mais ça veut dire quoi ? Oui, j'ai compris qu'en fait, ils étaient inversés. C'est les petits qui étaient... La somme des départs a été fausse. Le nombre de jetons était faux. Non, en fait, tout était correct. C'est ça que je voulais dire. Oui, ok, 4. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Donc, oui, j'avais compris ça. Ça, j'avais compris que... Il y a 6 petits, donc il y a 6000. Qui divisent bien 3000 points de chacun et le bon nombre de jetons. Juste fois inversé. Donc, les deux étaient corrects. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, le nombre de jetons était faux. Non, c'est bon, il y a le bon nombre de jetons. Les sommes de départ étaient fausses, c'est faux. Les sommes de départ, et les deux étaient corrects. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. Chaque homme est entré dans la partie avec 3500 points. Si tous les jetons sont bien présents sur la photo, alors il n'y a qu'une seule explication possible. Ah oui, laquelle ? La valeur des jetons était en fait... inversée ! Ah ! Vous me suivez ? En réalité, ce sont les petits jetons qui valent 1000, pas les gros. Ah, de la folie, c'est de la folie pure. Jamais nous ne ferions une chose pareille. Des petits jetons qui valent 1000, d'un côté de gros jetons qui valent 100. Non ! Bah mais non mais, évidemment que ça va pas. Salut Kipi, comment ça va ? Donc White a gagné, eh oui.
On l'a vu un petit peu venir là. Je suis en retard, ne m'en voulez pas. Attends, je le fais. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. C'est beau, hein. Oh, ce triptyque était magnifique. C'est pour toi, Kipi. J'espère que tu vas bien. Montrez-moi la photo des jetons. Oh, je vois 6 petits jetons et 10 gros. Oh, c'est clair, je l'ai fait un total de 7000 points. Ah, bravo. Bravo. Voilà. Là, c'est pro, ça. Bon travail, Justice. Vous avez trouvé presque tout seul. Disons que je me contente d'être celui qui a informé la cour. Objection! Mais attendez, la valeur des jetons est peut-être différente, mais ça ne change rien. C'est vrai. La victime possède quand même le plus grand nombre de jetons. Bonsoir. Je suis un peu possédé, ouais, pardon, excusez-moi. Mais c'est parce que c'est... Il n'y a pas d'exorcisme, non, c'est pas nécessaire, c'est bon, c'est juste que là, je suis pris dans une affaire des plus sordides, chérie. Je suis un avocat, regarde, je suis habillé comme un avocat. Il y a un mec qui s'est fait tabasser, pas encore, non. D'accord. Oh, la menace. Oh, je me suis fait menacer, là. Oh, c'est vrai. Je sais pas, il a qui pochette quand même le plus grand nombre de jetons. Ouais, ok. Hein. Ah, précisément. Si les petits jetons comptent pour 1000 points et que les gros comptent pour 100, un peu de calcul mental. Additionnons les points de chaque côté de la table. Ah ah. Boulet, il sait pas compter. Non, mais Boulet, il est mal barré là. Il le sent là. Il sent qu'il y a un truc qui a anguille son rocher. Ah ouais. La victime, monsieur Gomez, a 2900 points, mais l'accusé 4100. Comme quoi, monsieur Wright était bien en train de gagner la partie ce soir-là. C'est impossible. Mon client avait donc moins la raison de vouloir tuer la victime. D'après tout, c'est lui qui menait la partie. Mais revenons-en à vous, mademoiselle Orly. Vous deviez forcément connaître la vraie valeur des jetons, puisque vous étiez présente sur les lieux du crime. Puisque, est-ce que je me trompe? Il menace le représentant de la justice, là. Vous l'avez vu, je dis rien, mais attention, j'ai été menacé. En même temps, il est tard, là, il va pas tarder à se coucher. Mais c'est vrai que je suis possédé, faut pas que je joue trop à ce jeu. En plus, je pourrais pas y jouer trop tard, parce que là, les voisins, ils vont péter les plombs. J'adore. Silence, silence. Un tracugé vient visiblement le perdre son mobile. Et la supposée défaite de Mr. Red n'a jamais eu lieu. Oh, comment non, bordel. Je doute, je plane désormais quant à la crédibilité. Allez, les gens. C'est lui. Pardon, que voulez-vous, mademoiselle Orly? Pardon, non mais j'ai... Non, j'arrête. Pardon. C'est bientôt fini, hein. Je sais pas si elle pète les plombs, cro-cro, ou si elle se fout de ma gueule. Peut-être un peu des deux. Peut-être un peu des deux, la pauvre. Je ne voulais pas parler de ça, mais... En fait, vous voyez... Nous voyons quoi, Balouzoli? Et qu'est-ce que nous sommes censés voir? Sur dernièrement, il y a eu triche. Allez, vas-y, allez, quoi? Ça fait cro-cro nette. Non, mais elle était morte de rire, je sais pas trop pourquoi. Ah, triche? Vous voulez dire une ruse? Attendez, vous voulez dire une fraude? Faut que j'aille chercher mon dictionnaire des synonymes là ou quoi? Oui, quelqu'un a triché pendant dernièrement. Voilà pourquoi la partie finit avec jetons comme ça. Il manquait plus que ça. D'abord les mensonges, maintenant la tricherie. Eh bien, cette affaire commence à prendre une tournure très intéressante. Écoutez-moi, je vous prie de dire ce que vous savez. Parlez-nous de cette dernière main truquée. Ah là là. Qu'est-ce qui va nous sortir encore, Ghislaine? La dernière main. Les deux joueurs avaient un full. Il y a 4 cartes de chaque dans le paquet. De l'as au roi. Regardez, main des joueurs, on voit triche, évident. Ben non, il n'y a pas triche. Pourquoi triche évident? Moment suivant, partie devient dispute. Ah, l'accusé a pris main dans sac. Il attrape bouteille avec sa main,
Pauvre monsieur Gomez. Vous ça très méchant. Vous ça insupportable. Mademoiselle Orly, pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant d'informer la cour? J'ai le sentiment qu'elle nous cachait quelque chose. Il est l'heure de faire tomber le masque. Foule-vous, champ-pesant, le point, n'est-ce pas? Pas facile à composer, d'après ma projet d'expérience. En soi, cela suffirait à veiller les soupçons. Monsieur Gavin, c'est quoi un foule? Cette nouvelle génération d'avocats, vous ne savez même pas jouer au poker? J'aurais que ce ne soit pas pour, bon pour votre affaire, ni pour votre carrière. Ma parole, la cour abrite un réseau de poker clandestin ou quoi? Justice, vous savez ce que sont une paire? Deux paires et un prenant, non? Bien sûr, évidemment. Deux cartes de même valeur forment une paire, et s'il y en a trois, c'est un prenant. Eh bien, le full, c'est un mélange entre une paire et un prenant. Eh bien, maintenant, imaginez une main réunissant une paire et un prenant. Full. C'est un full. Alors, pourquoi il y a marqué volume 8? Assez étonnant qu'il y ait un volume 8. Pas évident de tomber sur une main pareille. Mais cette affaire, vous pouvez voir clairement le jeu de chaque joueur. C'est alors, ils ont tous les deux un full. Bien sûr, c'est facile d'obtenir un full et de rester avec lui pendant 7 ans. Il suffit de tricher. Ah. La défense peut procéder à son contre interrogatoire. S'il a vraiment triché dans la dernière main, cela laisse une question en suspens. Monsieur Wright a perdu ce tour. Quel professionnel de l'escroquerie perdrait en trichant? Ah. Allemand, il y a deux jeux. Ça fait deux fois qu'elle ment, attention. Mais pourquoi? Pourquoi il y a triche? La dernière main, les deux joueurs avaient un full. On peut objecter là? On va pas objecter, on attaque. On attaque Greg D. J'attaque. Un instant. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un full? C'est très difficile. Ah pardon. Pardon. Très difficile, gars. C'est avoir peur et brûlant en même temps. Oui, je suppose que c'est pas évident. Pourquoi je l'ai attaqué là-dessus, on s'en foutait? Un chambard vu, à vrai dire. Quelle confiance au bluffeur de la salle d'audience numéro 3. Très difficile, gars. Mais pas impossible. Bilan, full, super difficile. Dernière question carrément inutile. Il y a 4 cartes de chaque dans paquet. De l'As au Roi. Bah oui. Et c'est elle qui distribue, donc s'il y a triche, elle est dans le coup. Ah mais je sais pas comment je peux l'amener ça. On peut l'attaquer mais... Pourquoi j'ai perdu un point là-haut en fait? J'ai fait une mauvaise attaque, c'est ça? Ah non, c'est vrai que j'ai présenté une. Ah bah, je crois que je peux attaquer à chaque fois. Enfin, je peux attaquer à chaque fois. C'est quand j'ai fait la présentation de la photo tout à l'heure, j'ai perdu un point, je crois. 4 cartes, Jacques, vous dites? Da! 4! Merde. Ah, 4! Il y a pique, carreau, cœur, trèfle pour chaque carte. Vous savez, ce nombre 4 s'inspirait nombre saison. Si vous le dites. Savez-vous que les cartes sont numérotées de 1 à 13? Additionnez les cartes du jeu et vous obtenez 364. Ah non. Ah putain, je connaissais pas le background des cartes. Incroyable. Sans blague? C'est pas où il manque un jour? C'est pourquoi chaque paquet de cartes possède 2 jokers. On dit que le deuxième joker compte pour les années bisextiles. Incroyable. Une fois que le juge dit quelque chose de smart, c'est clair. Mais je le connaissais pas du tout ce truc, cette histoire. Et on apprend des choses, hein. Waouh. Putain, c'est bien, chez Eki on apprend des trucs. Hein. C'est pourquoi un paquet de cartes illustre les 365 jours de l'année. Ouais, c'est fascinant, ouais. Bon, train, ça va, on sera encore l'année prochaine, la bistextile ou pas.
Regardez main des joueurs, on voit triche évidemment. Évident. Regardez main des joueurs, on voit triche évident. Oui, mais... Bon. Là, on doit présenter un truc, là ? Non, pas encore. Pourquoi il y a triche évident ? Regardez main des joueurs, triche évident. Elle va nous parler de l'as, là. Je pense qu'elle va nous... Je vais attaquer, ouais. Je vais attaquer, elle va nous parler de l'as, c'est bizarre, là. Un instant ! Qu'est-ce qui vous fait dire ? En quoi est-ce évident ? Bah, eh bien, l'accusé, il a joué un cinquième as. Combien ? Cinquième as ? Je souviens des deux mains très bien. Hein ? Elle a fumé, Micheline ? C'est complètement l'inverse. Il y a trois rois et un as. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais elle a complètement... Mais c'est n'importe quoi. Elle était la fumée totale. Elle a pris trop de vodka, trop... Oh, vodka, moi. Oh, trop vodka. Ok. Là, d'accord. Et Monsieur Wright... Ah, pardon. Et Monsieur Wright 2. Non, mais... Mais toi, tais-toi. Tu dis n'importe quoi, Michel. Le tricheur a triché comme à pied avec sa main. Votre honneur, c'est un élément à ajouter au témoignage, sans blague. Sans la blague de Monsieur Boulet, bien sûr. Soit, le témoin ajoutera cette information à son témoignage. Trois as dans sa main et Monsieur Wright 2, ça fait 5 en tout. Mais Christine, qu'est-ce que c'est ça là ? Ça c'est un roi ça, Christine. Présente-moi là, on va présenter là, tiens, allez hop. Malheureusement, le témoin fait erreur. Fait erreur ? Je fais rien, moi, votre honneur. Moi, juste servir Borskov. Je sais plus qu'on s'appelle, là. Pour ça, c'était le vous-même. Cette pièce à conviction contredit clairement vos allégations. Je la vaux tous les jetons, n'est-ce pas ? Justice. Si vous n'entrez pas clairement au juge où vous voulez en venir, on n'est pas sorti. Autrement dit, pointez du doigt ce que vous essayez d'expliquer. J'ai jamais montré moi la contradiction du doigt, je sais sur votre non mais c'est tellement évident, un enfant de 5 ans il le voit. Oh, le gars dans le broche, dans le borsch. Ou la sauce là, bien sûr. Quel aspect en particulier contredit ? Là. Indiquer ce qui ne va pas. Là. Présenter, là c'est ça ? Ah il faut présenter ? Mais ça c'est bon ? Mais elle... Ouais, c'est ça. Présenté. C'est où ? Prends ça ! Prends ça ! Mademoiselle Lee, dans votre témoignage, vous avez avancé l'allégation suivante. Monsieur Gomez a trois as dans la main. Or, comme vous pouvez le constater, la victime n'avait que deux as dans son jeu. Ah ! Affliction ! Eh bien, peut-être que le témoin est un peu perturbé. Peut-être que le troisième as se trouve dans le jeu de l'accusé. Objection ! Examinez de nouveau la pièce en conviction. Comme vous pouvez le constater, l'accusé aussi n'avait que deux as en main. Où se trouve donc le cinquième as ? Et ça, ah ça ! Et il y a bien tricherie, mais ici, dans cette salle d'audience. Oh, bien dit ça ! Bien dit, Justice. Deux as par joueur, cela fait bien quatre as en tout. Où est la tricherie là-dedans ? Attendez, s'il vous plaît ! Je vous assure, c'est vrai, je l'ai vu ! Le cinquième as ! Il y avait triche, je jure à vous. C'est bizarre. Elle ment forcément et pourtant, elle n'a jamais perdu aussi... Elle n'a jamais paru aussi sincère. Vous avez raison de suivre votre instinct. Monsieur Gavin ? Qui sait ce que l'avenir nous réserve dans ce procès ? Votre honneur, je peux me permettre une suggestion ? Oh, je crois que j'allais-t-il, monsieur Gavin ? Vous n'avez pas d'inconvénient. Peut-être pourrions-nous examiner les cartes elles-mêmes. Ah, il faudrait les retourner. Il faudrait les retourner. Salut Tidis, comment ça va ? Bonsoir. Allez, on est en pleine enquête là, on est en pleine enquête, en plein procès là. Objection ! Ah ça, je viens de prendre un petit coup là. Les cartes ? Monsieur Boulet. Ah oui ? Les mains de chaque joueur font bien partie des pièces à conviction, n'est-ce pas ?
La défense demande à ce qu'elle les cartes en question soient présentées à la cour. Bon choix. L'accusation soumettra cette pièce à la conviction. Lesquelles voulez-vous examiner ? Les cartes de la victime ou celles de l'accusé ? Les cartes de l'accusé, peut-être. Je sais pas. Si ces cartes ne prouvent pas qu'il y a eu tricherie, c'est râpé. Voyons, laquelle de ses mains est la plus suspecte ? Ah. Attendez, on fait quoi ? Les deux ? Ouais, mais non. Là, on me demande d'en choisir une des deux. Celle de la victime, on est d'accord. Parce qu'elle, elle parle de trois as, mais peut-être qu'elle est sincère, il y avait trois as. Hein. Il a le brelan le plus puissant possible. Ah, s'il a trois as, c'est trop fort, mais le problème, c'est qu'il a... Il a l'as de... Ah, mais peut-être qu'en fait, on va voir que c'est Phoenix qui a relevé sa main et peut-être qu'il a remplacé son troisième as parce qu'il avait peut-être as et roi, brelan d'as et paire de roi, et il a remplacé un l'as qui était dans la main de Phoenix par un roi. Donc il faut regarder la main de la victime. Et on va voir qu'il y a un des rois qui va être rouge. Vous allez voir. Le brelan le plus fort, c'est plus dur. Si un brelan, c'est dur. Quoi ? C'est pas ça ? Non, c'est la victime. C'est la main de la victime que le témoin a modifiée au cours de sa déclaration. La défense demande à examiner les cartes de Monsieur Gomez. Swatch. Monsieur Boulet, je vous en prie. Allez, très bien. Pièce en conviction. La main de la victime. Alors, ce n'est pas le moment de l'embiner. Dépêchez-vous, justice. Oui, monsieur. Ah. Quand vous examinez des pièces en conviction, il faut les observer sur tous les angles. Vous permettre de pivoter la pièce. Et MB permet de zoomer. On va le faire avec la souris. Cela vous aidera sans doute à vous faire une meilleure idée de cette affaire. Allez, au travail. Vous parlez sur quel roi ? Moi je dis c'est le roi de pique, non je crois, je sais plus, il y en a un qui est bizarre, je crois que c'est celui-là. Le roi de carreau, pardon. Le roi de pique déjà. Hop là ! Eh oui, c'était ça, c'est le roi de carreau. Je vous l'avais dit. Et si qui parle pas, moi fort, ça c'est Joux qui va être rouge. Quoi ? J'ai rien compris. Vous arrêtez. Quoi ? Regardez, votre honneur. L'une de ces cartes. L'une des cartes de la victime. Ils n'ont pas vérifié ça, ils sont vraiment nuls. Hein. Ça va bien, pardon, j'étais occupé. Non, t'inquiète pas, Tidis. T'inquiète de rien. Oh, Dai Dai ! Bonsoir le raid. Merci Dai Dai, merci beaucoup pour le raid, j'espère que tu vas bien. Ah, incroyable. Mais le jeu, il est bleu parce qu'il y a des cartes rouges. Attends, mais carrément, il a triché avec 4... Il a 4 cartes. Parce que le jeu, à la base, il est bleu. Oh là là, j'arrive avec un tas de détectives à l'herbe. Ah, c'est beau, ça. Bonsoir, Dai Dai, merci. Merci pour le raid, merci beaucoup. Salut, Mélusine. Bonjour. Bonjour. Hein. Bonsoir, Mélusine. Comment ça va ? Merci d'avoir suivi le raid de Dai Dai. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai testé plein de petites démos aujourd'hui, dans plusieurs, très chouettes, Magicraft, Into the Necro Veil. Ah oui, ça, je voulais tester ça. Oblivion Overdrive, je voulais tester aussi. The Witch Showdown, je voulais tester aussi. Et Heroes of the Necromancer, je vais le tester aussi, celui-là. Ça va bien ? Bon, parfait, alors. Est-ce que vous étiez en train de faire de beau ? Attends, oh, mais le SO est déjà là, hein, mais incroyable, ça. Et tu joues à Phoenix Wright Ace Attorney, incroyable, Dai Dai. C'est fou, ça. Et là, on essaie le nouveau, c'est incroyable. On est en pleine affaire là, c'est Apollo Justice là. C'est le dernier qui est sorti le 25. Et j'ai jamais joué j'ai jamais fait un Ace Attorney. Et bien test, ils sont tous très corrects en fonction de ce que tu aimes, bien sûr. Mais j'aime à peu près tous les styles là dont tu m'as parlé, je les ai tous notés sur ma petite liste. Figure-toi qu'ils sont tous sur ma petite liste. Heroes of Eternal Quest, on va le tester, j'ai une clé pour le tester la semaine prochaine.
Oublie Overdrive, il me fait de l'œil depuis un moment, c'est un Metroidvania. Et trop cool. Magicraft, on le teste depuis un bon moment. On connaît bien Magicraft. Merci Mélusine, merci beaucoup pour le follow. Très gentil à toi, bienvenue. On était sur la dernière enquête de la première trilogie. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais là, c'est la première enquête de la dernière trilogie. Du dernier Phoenix Wright. Allez, on continue. Et ah, le dos différent. Attends. Merde, je sais plus ce qu'ils disaient. Ok. J'espère que le live s'est bien passé. Merci beaucoup en tout cas de penser à moi. C'est beau. Alors, ouais, il est plus proche d'un Dead Cell. Ouais. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il parlait d'un rogue. J'avais entendu que c'était un roguelike avec des aspects de Metroidvania. C'est impossible! J'ai mis ces cartes moi-même dans le jeu, monsieur Ray. Aïe. Elle vient de se griller, Christine. Très bien, c'était vraiment sympa. C'est cool. Ils sont très sympas et très entraînants. Seul défaut, un peu rigide par moment, en présentation d'épreuves. Oui, c'est vrai. Bon, tout à l'heure, j'ai essayé de présenter une preuve sur une photo. On voyait la victime, on voyait bien que son cou, il n'avait pas de... il n'avait pas de pendentif. Et en fait, on a eu une photo après où on voyait un peu plus en zoom qu'il n'y avait pas de pendentif et c'était à ce moment-là qu'il fallait le présenter. Mais bon, voilà. Non, mais moi, j'adore faire les voix. C'est pour ça que je voulais faire ce jeu aussi. Mais j'adore faire des voix tout le temps. Elle vient de se poucave solo, là, comme une grande. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, mademoiselle Orly? Non, niet, non. J'ai juste dit oui, c'est vrai. Hein, votre honneur. Ah, monsieur Garvin, je vous écoute. Dites-moi, quel est le meilleur moyen de tricher au poker? J'ai triché? Je sais pas, moi, je serai jamais, moi. Eh bien, je vais vous le dire. Il suffit d'avoir un ami, un complice, dirons-nous. Le donneur. Oh oui, c'est sûr. Attendez, vous voulez dire que... le témoin. Mademoiselle Orly? Le témoin, Mademoiselle Orly, c'est elle qui trichait. Et à mon avis, c'est une professionnelle. Nein! Ah non, mais elle est pas allemande. Silence! Concentre-toi, justice. Tu peux enfin profiter d'elle. Hein? Enfin, de ses erreurs. Oui, merci, ouais. Au secours! La récupération de l'assiette. Oui, depuis tout à l'heure, elle fait ça. Et chaque fois qu'elle prend un coup, là... Ah ouais, elle est professionnelle jusqu'au bout, quoi. Serveuse, elle cherche du borsch. Du borsch. En fait, c'est dans un restaurant russe où carrément, ils servent du borsch. Mais à la russe, quoi. Il y a carrément de la neige dans le restaurant pour que ça soit vraiment comme la Sainte Patrie de la Russie. Et elle, c'est la serveuse. Votre honneur, pouvons-nous revenir sur le témoignage que nous venons d'entendre? Ah, les persos sont à mourir de rire. Non, mais c'est trop bien. C'est impossible. J'ai mis cette carte moi-même dans le jeu, monsieur Wright. Bingo. Mademoiselle Olga Orly était bien complice de tricherie. Pas avec mon client. Mais avec la victime, monsieur Enzo Gomez. Non seulement elle a triché, mais elle a triché comme une débutante. De là à ce que son erreur ait donné lieu à une altercation entre elle et la victime. Minute, vous insinuez que la défense accuse le témoin, mademoiselle Olga Orly? Justice, ton heure de gloire a sonné. Il s'appelle Justice, c'est pour ça. Trois personnes se trouvaient dans la pièce au moment de l'incident. Et si monsieur Wright n'est pas le coupable, ce n'est peut-être que... Oui, votre honneur. La défense accuse le témoin, mademoiselle Olga. Ah merde. C'est parti. J'avais raison, c'est elle. Avec ses gants, pas d'empreinte. Oh, bien vu. Bien vu, bien vu. Mais alors du coup, comment expliquez-vous qu'il y a les empreintes sur les bouteilles? Peut-être qu'il a juste pris comme ça pour se servir. Mr. Wright? Mais oui. Ah, c'est le spoil. Mais c'est l'accusé. Attends, mais je te... Tu veux savoir ou pas? Tu veux savoir Die Die ou pas? C'est la première enquête. Après, c'est la première enquête. C'est un semi-spoil. On l'apprend dès le début, hein. Même si on le reconnaît pas tout de suite. Spoiler! Désolé, Die Die. Ne m'en voulez pas. Je me casse. Je file, merci pour le stream et bonne soirée à tout le monde. Des bisous, Ori. À bientôt, merci d'être passé ce soir en tout cas.
Vas-y, bouffe. Bonne nuit. Les forces accusent de témoin de Mademoiselle O'Carly du meurtre de Enzo Gomez. Non. Oh bah on veut pas. Bon ça va alors. Oh t'en veux pas. Ok. Ah attends, ça faisait longtemps qu'on l'a. Ne m'en voulez pas. Ça faisait longtemps qu'on avait pas écouté l'original. Je voulais. Où est votre témoin, Mademoiselle Olga Orly? Il semblerait qu'elle ait perdu connaissance, votre honneur. Oh, j'ai justice. Pauvre Dai. Ah, t'inquiète, en raidant, je me doutais que j'allais me faire spoil des petits bouts. Ah bon? Ah ouais, là, en plus, je pense qu'on est pas loin de la fin de l'enquête, là. Je sais pas combien de temps il dure. Vous avez le bonjour de Monsieur Store. Ah, trop cool. Trop cool, Store. J'espère qu'il va bien, le petit Store. Ça fait longtemps que je l'ai pas, je suis pas allé le voir sur son live. T'inquiète, Mélisine. Gros spoil. Ah ouais, mais c'est le risque, hein, mon bon monsieur. Votre honneur. Vous venez, semble-t-il, de présenter une nouvelle version des faits à la cour. Une version selon laquelle le témoin serait lié à la victime, monsieur Gomez. En d'autres termes, le tribunal ne peut prononcer son édit pour l'instant. Oh, quoi? J'ai réussi, j'ai trouvé la faille. En même temps, elle était pas dure. Elle était pas très dure, hein, t'as mâché le travail, Michel. Hein. Une enquête égale 36 heures de jeu. Quoi? Mais moi j'ai pas 36 heures devant moi là. Je vais arrêter là. Elle ne voit plus l'intérêt de poursuivre ce procès aujourd'hui. L'accusation va devoir compléter son enquête. Objection! Objection! Ah. C'est lui? Monsieur Wright? Votre honneur, on ne pouvait pas clore ce procès de la sorte. Pas encore. Qu'est-ce que c'est, psy? L'accusé nous déballe-t-il maintenant? Réfléchissez, le dos d'une des cartes porte une autre couleur. Oui. Mais regardez bien le dos de la couleur du tas de cartes. Bon allez, je file de dos de mon côté. Bon stream à toutes et tous et bonne découverte. Vous allez vous régaler, on se régale déjà Dai. Et encore plus depuis que tu as raid, c'est encore mieux. Des bisous Dai, merci encore pour le raid. Et repose-toi bien. Et bonne future enquête aussi sur Apollo Justice. Tu verras, c'est très très cool. Le jeu c'était le bleu, pas le rouge, exactement. Exactement. On l'a vu tout de suite, ça. Ça ne vous choque pas? Objection! Qu'est-ce que vous faites, Wright? Vous avez été l'objection au moment où vous alliez vous tirer d'affaire, ridicule! Monsieur Boulet, vous devriez savoir mieux quiconque que Monsieur Wright est un grand amateur de déraisonnable! Oui, c'est vrai. C'est bien vrai, ça. Peut-être devrions-nous tenter d'éclaircir ce point. Éclaircissons les faits en ce qui concerne la partie poker. Que ce soit de ce soir fatidique. Ah mais c'est super long en fait. Je sais pas si on jouera à Dead Space, mais c'est pas grave, au pire on ferait une longue VOD de ça. Hein. On ferait une enquête. Bon, franchement j'ai envie d'en refaire une autre. Hein. Pas ce soir, mais une autre plus tard. C'est trop bien, j'adore. Comme nous l'avions déjà dit, nous alternions entre deux paquets de cartes ce soir-là. Nous l'avons déjà dit. Les deux jeux du club ont un dos de couleurs différentes, bleu et rouge. Une couleur par jeu de cartes. Ça donne soif de parler autant. Au secours. Salut Waze, comment ça va? Le travailleur au chapeau. Ah, je te vois du coin de l'œil des fois. Hein. Je te vois un live là, en train d'écrire et de fomenter avec tes camarades de travail là. J'espère que tu vas bien Waze en tout cas. Il a un air de tortue génial, c'est vrai. Ouais. Il m'observe et il me voit. Oui, je te vois. Une couleur par jeu de cartes. Pourquoi utiliser des cartes de différentes couleurs? En utilisant la même couleur, nous risquions de mélanger les deux paquets de cartes. Deux couleurs distinctes n'ont pas empêché les cartes de se mélanger. Nous avons utilisé le jeu rouge pour la dernière partie. Ah bon? Et non. Ça va tranquillou? Objection! Non, attends, pas encore. Ça va tranquille, ouais, on est possédé. Comme dit Crocro qui... Il a ouvert la porte tout à l'heure en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Bah je vois. Mais c'est bizarre. J'aurais pourtant juré que... Vous aviez utilisé les cartes bleues. Ah. On est d'accord. Eh ouais, moi aussi. Je suis certain que quelqu'un a mentionné les cartes bleues. Ah bref, quoi qu'il en soit, une carte de mauvaise couleur s'est retrouvée dans le tas. Et non, c'est quatre cartes carrément même.
Ah non, une carte. Ce qui prouve qu'il y a eu triche. Dexat, une carte insérée dans le jeu indique la possibilité de triche. Et pourtant, cette carte nous suggère deux grandes questions. Apollo ? Oui ? Voyons d'abord la première de ces questions. Réfléchissez. Dans la dernière partie, quand la carte a-t-elle été changée ? Au moment de la distribution. Quand ? Trois solutions possibles. Elle a pu être échangée avant le meurtre ? Pendant le meurtre ? Ou après le meurtre ? Eh bien, merci à vous pour ce flash info, Wright. Il est bien évident que la carte a été ajoutée. Oh. C'est peut-être aussi simple que vous le dites, Monsieur Boulet. Mais peut-être pas. J'ai pas fini ma phrase. J'aimerais entendre ce qu'en pense Apollo pour commencer. À votre avis, quand les cartes ont-elles été changées? Quand a-t-on inséré la carte dans le jeu? Après, sinon... Il aurait vu la mauvaise couleur au dos. Mais bien vu ça, évidemment, évidemment. Ça se voit que tu organises des événements pour 2000 personnes. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais je trouve ça incroyable. C'est forcément après le meurtre. Pendant le meurtre, mais je crois pas. Il y a autre chose à foutre. Si tu donnes un coup à quelqu'un, t'es pas en train de changer une carte. J'irai après le meurtre, je suis assez d'accord. Peut-être que ça s'est produit après le meurtre. Objection! Qu'est-ce que vous dites? C'est ridicule! Pourquoi tricher une fois que la partie est finie? C'est idiot! Objection! Oui, mais dites-moi, comment peut-on échanger les cartes pendant une partie? C'est impossible! Objection! Croyez-moi, fiston, il n'y a presque rien d'impossible en ce monde. Oh, même si les dos des cartes sont de différentes couleurs? Si vous teniez ça si vous tentiez ça pendant la partie, vous seriez tout de suite démasqué! Ah bah oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui veut dire que la carte bleue qui nous intéresse a été échangée après que les mains aient été montrées, après le meurtre. Objection ! Objection ! Bon, passons du ridicule au fou furieux là. Je répète ma question, pourquoi tricher une fois que la partie est finie ? Qui ferait une chose pareille ? Qui ? Là est la question, c'est l'une des énigmes qu'il nous faut résoudre. Il est mort de rire, il sait déjà lui hein, en fait. Phoenix et Gavin là, ils savent tout. Oui, il y en a un autre. Bien sûr, une question simple, mais néanmoins décisive, doit être posée. Qui a remplacé la carte rouge par une carte bleue? Qui? Mais c'est pas Olga. La partie est finie. Le meurtre est perpétré. La victime est morte. Il ne reste que deux personnes dans la pièce. Enfin, vivant, j'entends. L'accusé est Phoenix Wright et notre témoin, Olga Orly. Fait marcher tes neurones. Qui a échangé la carte rouge contre une bleue? Bah attends. Parce que... Bah normalement c'est Olga, elle vient de le dire, non? On est d'accord. Mais est-ce qu'elle a dit j'échange la carte au moment de la distribution ou elle dit moi j'ai changé carte? Elle a dit, oui c'est vrai qu'elle a dit. On va pas rajouter quelques notes, je crois pas. Olga, hein, je pense. Après sinon, il aurait vu la mauvaise couleur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça se serait vu. Enfin, on l'aurait grillé direct. De toute façon, tu tiens les cartes en main ou même elles sont au sol, même si elles sont retournées les cartes de toute façon. Avant de les retourner, de faire c'est quoi ta main, la révélation des cartes. À ce moment-là, avant de faire les paris et de parier. Enfin, de Phoenix, il allait téléphoner en haut. Ah oui, il allait téléphoner en haut. Olga Orly. C'est forcément Olga Orly qui a échangé les cartes. Elle essayait de simuler la preuve qu'elle avait triché. Cela pourrait être logique. Un instant. Désolé. Mais cette explication ne tient pas vraiment la route. Ah merde, c'était quelqu'un d'autre en fait. Hein ? La carte échangée ne provenait pas du bon paquet de cartes. Jacques, une carte bleue dans un jeu rouge. Nous avons vu la photo. Une carte de notre paquet avec un dos de couleur différente? Nous parlons d'Olga Orly, c'est elle qui donnait les cartes.
La croyez-vous vraiment capable d'une telle erreur de débutante? Franchement, je crois que même le juge ne ferait pas une erreur pareille. Merde, oh non, ouais. S'il a voulu tricher, elle a dit un truc tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'étais pas sûr. C'est pour ça que j'ai hésité, mais ok. Bien, bien. Et marché était de Ron, qui a échangé la carte rouge contre la carte bleue. C'est quelqu'un d'autre alors. C'est pas Phoenix, ce serait débile. Monsieur Watt a évidemment pas substitué les cartes. Et puisque Olga Orly ne semble pas avoir fait le coup non plus. Qu'est-ce que vous dites? J'avoue qu'il ne semble pas y avoir de conclusion logique. En tant qu'avocat de la défense, il ne vous reste qu'à assigner Mademoiselle Orly. Quoi? Oui, oui, je sais. Mais c'était elle qui distribuait les cartes, non? J'ai mal à croire qu'elle ait fait une erreur d'échanger les mauvaises couleurs de cartes. Mais on vient juste de l'accuser il y a deux secondes. Hein, bon. Après, je dis ça, c'est pas grave. Hein. Si la carte a été changée pendant la partie, impossible que je la passe inaperçue. Et... Vous avez quelque chose à partager avec la cour, Monsieur Wright? Pardon, votre honneur. Je me disais simplement que tout cela est très amusant. Oh putain, j'en peux plus de lui. Vous trouvez ça drôle? Moi, je suis complètement perdu, votre honneur. La carte n'a pas été échangée ni par l'accusé, ni par Mademoiselle Orly. Alors par qui? Oui, c'est sûr. Mais telle est bien la question. Exactement. Hein? Je crois que cette affaire va prendre une nouvelle tournure. Ah putain, ça n'en finit pas. Une nouvelle tournure? Nous allons découvrir qu'effectivement, après le meurtre, quelqu'un a remplacé une des cartes tenues par la victime et que quelqu'un a commis deux grosses erreurs. Vous allez vraiment nous dire que la première fut d'introduire une carte de la mauvaise couleur, hein? Parce que quelqu'un ne savait pas que le club utilisait deux couleurs de cartes. Ah oui, du coup, il a juste regardé... la personne a regardé, il ou elle, hein, a regardé le... Elle a cherché un roi, elle a posé le bon roi, et puis c'était fini, quoi. C'est boulé! Non, c'est pas boulé, je pense pas. L'autre erreur, c'est la valeur de la carte. Je vois. Le cinquième as a été remplacé par un roi. Mais ouais. La personne en question ne pouvait pas prévoir qu'il y avait un cinquième as. Ah, tout ce qu'elle savait, c'est que le gagnant avait gagné avec un full. Elle a donc récupéré un roi sur la table pour l'insérer dans le jeu. Oui, mais attendez, il y a un problème. D'après le dossier, cette personne n'existe pas. Jusqu'à présent, mais avouez que l'existence d'un quatrième protagoniste est possible. Plus que possible, même. Il y avait bien quelqu'un d'autre sur le lieu du crime ce soir-là. En fait, le véritable avocat ici, c'est le groupe Phoenix et Gavin. Hein, parce que nous, finalement, on les regarde, on fait... C'est ça? Ah bon? Ah d'accord, ok. Ah, c'était donc ça. C'est maintenant qu'il ouvre le sac. C'est maintenant qu'il ouvre le sac. J'avoue que je ne peux corroborer les propos tenus par le juge un peu plus tôt. Vous avez un talent certain pour saupoudrer les procès de déraisonnables. Je brochais, cheval sur une supposition générale. À savoir, au moment des faits, seules trois personnes étaient présentes dans la pièce. Je crois que les faits, à nouveau, discréditent cette supposition, non? Le problème, c'est que vous avez choisi de ne pas révéler cette information à la cour. C'est un problème, en effet. J'ai suspendu. Monsieur Gavin, vous me rejoindrez dans mon bureau pendant cette interruption. Oui, pas content, papy. Bien sûr, votre honneur. Bon, la séance reprendra dans 20 minutes. Voilà, mais ça n'en finit plus. 20 avril, 11h52, tribunal. Salle des accusés numéro 3. Ah, je sais pas, est-ce que je fais une pause là? J'avoue, tu m'as surpris, Wright. Nous annoncé de but en blanc qu'il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux. Je me vois dans l'obligation de poser la question, est-ce vrai? Tiens, j'aurais juré que tu connaissais la réponse à cette question. Non. Tu aimes les mystères, malheureusement je n'ai pas le temps à perdre. Alors, je te prierai de laisser ton avocat s'occuper de ta défense. Sinon, je serai dans l'incapacité de garantir le résultat positif. Je vois que les années n'ont pas arrondi les angles de ton caractère, Christophe. Injustice. Oui, monsieur.
Allez-y sans moi. Le juge m'a convoqué dans son bureau. Comment ça, allez-y sans moi? Vous êtes bien débrouillé, Apollo. Ah, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Ce médaillon que vous portez... Pardon. Il est vraiment à vous, monsieur Wright? Vous croyez qu'il s'agit du médaillon de la victime? Je vais vous le montrer, c'est une photo de ma fille. Trop choupi. C'est que je suis surpris d'apprendre que vous avez une fille. Vous n'êtes pas le seul. Peut-être la verrez-vous un jour. Encore une petite question. Celui qui trichait ce soir, c'était vous? Ah pardon. Ah. Il est papa. À votre avis? Hein? Vous savez ce qui s'est passé il y a 7 ans? Ce que j'ai fait? Vous pensez que j'aurais pu tricher? Et je ne vous en veux pas. Je le jure, mais... C'est vraiment bizarre qu'il ait pu rester invécu pendant 7 longues années, quand même. On dirait Luc, le prof du... Luc de professeur Layton. Ah oui, sa fille. C'est vrai qu'il a, il y avait un petit air, on aurait dit. Ouais. Je ne suis pas un fin connaisseur, mais j'ai déjà vu des images un peu de Layton. Vous savez ce que je pense? Il n'y a qu'un jeu où on peut gagner même avec des cartes faibles. Le poker. Hein? Le poker. C'est un jeu qui consiste à lire son adversaire. C'est comme au tribunal. Le poker, c'est comme un procès. Ah, le poker, c'est comme un procès. Fouillez le coin du psychisme de votre adversaire et vous gagnez. Oui. Ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, je ne crois pas. Hein? Quels que soient nos efforts, nous finissons tous par trahir nos vraies pensées. La gestuelle peut être une véritable mine d'informations. Vous moquez de moi? Prenez le témoin de tout à l'heure, par exemple. Mademoiselle Orly. Elle se grattait le cou. À certains passages de son témoignage. Vous avez remarqué? Non. Franchement, qui remarquerait un truc pareil? Bah Patrick. Patrick qui remarque ça, Patrick. Q, déstabilise-le. Non, on peut pas là, on peut pas là. on n'est pas au tribunal là, on discute. Nos paroles, nos gestes, nos tics sont tous des révélateurs de notre pensée. C'est ça le secret d'une démarche gagnante, Apollo. Quelqu'un me l'a appris et aujourd'hui je vous en fais profiter aussi. Mais, vous misez sur le mauvais cheval, jamais je ne saurais lire ces signaux. Et ça se voit qu'elle ment. Eh oui. Mais si, vous en êtes capable. Hein? Vous ne le savez pas encore, c'est tout. De quoi il parle? Mais cela viendra bientôt. Ah, j'oubliais encore une petite chose pour cette affaire. Sachez que je n'ai pas encore dit la vérité à personne. Je n'ai encore dit la vérité à personne. Soyez sûr. Je viens sûr mes raisons, mais la vérité finira par éclater. Et Apollo, je compte sur vous pour me défendre. Je compte sur votre pouvoir. Hein? Mon pouvoir? Mes cordes vocales? C'est l'heure. Le vrai procès va commencer. Donnez le maximum. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment commencé à suivre. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou... Non, on s'arrête. Sauvegarder la projection actuelle, oui. La suite dans un prochain épisode, là. Ah, je sais pas. J'ai envie de continuer Dead Space aussi, parce que sinon on le finira jamais, ce jeu. Et en même temps... vas-y. Parce que c'est 2 heures à chaque fois. Non, vas-y, on arrête maintenant. Sauvegarder à des simples placements, oui. Ok. Bon, attends, qu'est-ce qui se passe après? Après, on quitte ou pas, hein? Je sais pas. Commencez l'épisode suivant. Attends, retour au menu. Charger. Mais là, on est sur quoi? L'épisode 1, 2, 3? On est où, là? Ça, c'est l'épisode 1, reprise de... Le bilan du procès. Le dernier contre... Le meurtre en dessert. Reprise du procès. Attends, non, je suis en train de me spoil, là, non? Ok. Épisode 1, atout et volte-face.
Procès jour 1, reprise du procès. Ok, d'accord. Bon, attends, je sais pas comment ça marche exactement. Si on me cherche, je suis parti. Ouais, va-t'en, Serda, va-t'en, il vaut mieux. Bon, on va s'arrêter là pour cette découverte, c'est trop bien. C'est trop drôle. Mais je vais arrêter de hurler là, quand même. Quand même, putois, c'est mieux. C'est mieux que Croco puisse aller se coucher quand même, parce qu'à un moment donné, il y a certains là. Bon, toi YouTube, j'espère que cette découverte de Apollo Justice Ace Attorney t'a bien plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé. C'est très très cool. C'est fort probable qu'on fasse des petites sessions de temps en temps là, comme ça. On se fasse une petite enquête là de 2 heures. C'est très très bien. C'est très drôle. C'est très très drôle. Ok. Bon, YouTube, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si cette découverte t'a plu. Abonne-toi, mets la cloche également si tu veux voir d'autres découvertes, d'autres aventures. On en fait plein. On fait plein de choses très différentes sur la chaîne, même si on est des aficionados quand même, un petit peu du roguelite, ou des souls un petit peu aussi, du jeu indé de manière générale, de toute façon. Bref, en tout cas, n'hésite pas à passer aussi nous voir sur Twitch. On t'accueillera avec plaisir avec un petit drinking des Carpates, ça ira très bien. Je te dis à bientôt YouTube pour une nouvelle aventure. J'essaierai quand même de mettre à la suite de cette enquête incroyable. Je peux pas laisser comme ça, je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Salut YouTube, à bientôt, c'était Kevrium, bye bye, et bisous. Ok.